Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du très lourd, du très très lourd, puisqu'on va tenter de battre mon record de trophées dans ce live. Mon record étant actuellement de 7012 trophées pour être précis. Donc en gros, si on atteint les 7000 trophées, on fait une pierre deux coups et on bat mon record de trophées. Ça va être difficile, mais on va évidemment tout donner. Et on va faire ça avec un deck Reine des Archers, bien sûr, pour deux raisons. Déjà parce que la Reine des Archers, ça fait plaisir de la jouer, c'est un champion, c'est nouveau, ça fait plaisir. Tout simplement, c'est déjà une très bonne raison. Et ensuite, parce qu'évidemment, elle est très forte, bien sûr. On l'a un petit peu testée, ça fait vraiment des dingueries. Et donc, on va tout donner aujourd'hui pour l'utiliser au maximum et atteindre les 7000 trophées. Avec, tout simplement, voici le programme de la soirée. Bonsoir à tous évidemment sur le live, bonjour à vous sur la rediff, si vous regardez la rediff bien sûr, merci à vous de regarder les rediffs, toujours un plaisir, vous êtes d'ailleurs très nombreux généralement, donc merci à vous. Et puis, on va partir dans ce live qui s'annonce intense, épique, évidemment. Bonjour à tous, installez-vous, bonjour à tous sur le chat, bonjour, bonjour. Alors attendez, parce que vous, non, mais vous connaissez les débuts de live, il faut que j'installe le truc, le machin, le bidule, pam, pam, hop, hop, clac, boum, tweet. Alors, le tweet, je donne tous... Je l'ai préparé... Non, attendez, j'ai préparé le tweet en avance. Et c'est ça, et ça, et ça, c'est beau. Je donne tout ce que j'ai pour battre mon record de trophée avec un deck Reine des Archers maintenant sur YouTube. J'insiste sur le maintenant sur YouTube. Par ici, le lien, la miniature, tweeté. C'est pas... C'est tweeté. C'est tweeté, c'est juste tweeté, en fait. C'est juste tweeté dès le début du live. Voilà, vous pouvez, vous êtes évidemment les bienvenus pour aller caler un petit retweet, un petit like si vous possédez le réseau social Twitter. Merci à vous d'ailleurs pour votre soutien et pour les follow, que ça soit sur YouTube ou non. Et puis voilà, on est très bien. Bonjour à tous. Tu parles trop, bah, je parle, bah, tu préfères que je reste... Tu veux que j'arrête de parler? T'es sûr de toi? Est-ce que tu penses vraiment qu'un live où je ne parle pas pourrait être plus intéressant? Peut-être que oui, peut-être que c'est ce que tu penses, mais à ce moment-là, mieux vaut partir du live. Parce que j'ai des trucs à dire, bien sûr. Pomba, Pomba, merci beaucoup pour le super chat. Kenny, merci beaucoup pour le super chat. Merci beaucoup à vous. Bienvenue à tous. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur le live, installez-vous bien sûr. On va pas tarder à partir dans le jeu. Je sais pas ce que j'ai à faire dans le jeu, est-ce que j'ai des cartes à augmenter, est-ce que j'ai des coffres à ouvrir, on va regarder ça le temps que tout le monde arrive évidemment sur le live. Vous savez que maintenant il y a le niveau 14, hein, n'est-ce pas? Du coup, il y a des choses à augmenter dans le deck. Bonjour à tous. Bon, alors, en vrai je suis hyper efficace, le tweet est déjà fait, ça m'étonne moi-même. Je m'étonne moi-même. Je suis sur le live BG, bonne chance. Petit commentaire, il y a des mecs qui se glissent, ils se disent, il va pas me voir sur le chat, du coup je le mets sur les notifs Twitter, et ils ont raison, parce que je le vois sur Twitter. Bien joué, non mais bien joué, smart, intelligent. Bon, mesdames et messieurs, on va partir en fait dès maintenant dans le jeu, le temps d'attendre un petit peu tout le monde. Tu verras pas ce message, mais bon, dommage. Dommage, je l'ai vu, non mais dommage. C'est bête, je te fais mentir, je te fais un petit peu mentir. Le jeu, mesdames et messieurs. Le jeu est juste là, tout est prêt évidemment de mon côté. 6600 trophées du coup, on est à une seule ligue, du coup on a passé les 6600 l'autre jour. On est à une ligue en gros, il faut qu'on parcourt tout ce chemin de la roue des trophées pour arriver champion. Voilà, ligue champion, ce qui tombe bien parce qu'on va jouer un champion, vous l'avez compris, ouais, bien sûr, évidemment. Donc 7000 trophées, ça va être l'objectif et je vous montre évidemment mon record qui est juste là. Actuellement, il est là. Voilà, 7012 trophées, trophées max. Plutôt pas mal, plutôt correct, mais pas suffisant. On veut plus, bien sûr, on veut plus et on va tout donner pour y arriver. Go top FR ce soir. Alors on est... Alors attendez, objectif secondaire. Si on n'arrive pas à les 7000, le top FR est à combien? Le top FR est à 6800. Top 1000 FR à 6800 trophées. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous pensez qu'un petit 6800, c'est quelque chose de faisable? On peut les taper éventuellement. Ce serait objectif secondaire si on n'arrive pas à... Je sais plus comment on avait fait l'autre jour, il me semble qu'il y a quelques mois, deux mois, trois mois, je sais plus, on avait fait un rush comme ça pour atteindre les 7000 trophées. Et ça s'était pas super bien passé, on avait fait 6008, 6009, je sais plus exactement. Donc voilà. J'ai mon petit thé, hein, évidemment vous connaissez, avec la tasse délavée. Pas la meilleure tasse, hein, je vous l'avoue. J'ai pas fait gaffe à la tasse, ouais, non, excusez-moi. Pourquoi tu touches ton micro toutes les 5 minutes? Il bouge pas. Oui, alors le micro, ça c'est un réflexe de youtubeur. Vous regardez à peu près tous les lives. C'est normal. J'ai un truc à côté de moi qui est vraiment très proche de moi. Je le touche, d'accord? C'est un réflexe. C'est un tic. Je n'y peux rien, je suis désolé. Je n'y pense même pas.
Mais voilà, du coup, objectif secondaire qui va être les 6800 trophées, qui serait plutôt pas mal. Je vois vos commentaires. Askip, monsieur H. Alors, Askip, monsieur H, qui lit les notifs. UHP, j'espère que tu verras le message. Je vous vois, bordel, je vous vois. Ah oui, alors le deck. Oui, pardon, excusez-moi. Le deck. J'ai oublié de vous montrer le deck. Le deck, il est juste là, en fait. Il est juste là. Regardez, c'est ce deck-là, qui est en fait, au final, plutôt classique. C'est simplement un PK Bridge Spam, qui est vraiment, vraiment bon. J'ai pas le bélier malheureusement et je peux pas l'améliorer, hein. J'ai que 300 jokers donc j'ai pas le bélier niveau 14 et ça c'est un problème, mais par contre on a l'électro-sorcier qui est boosté, voleuse 14, poison 14, PK 14 et la reine des archers qui est niveau 13 quand même, ce qui est pas trop mal, donc on a un deck qui est niveau 13,5 en gros, à peu près, donc ça passe, je pense que ça passe, j'ai pas non plus énormément de cartes niveau 14 hein, pour l'instant, donc voilà, donc on fait ce qu'on peut et on verra comment ça se passe, tout simplement. Pourquoi tu joues Reine des Archers? Il y a d'autres champions qui sont bien. Mais la Reine des Archers est bien. Donc pourquoi pas la Reine des Archers? Eh, hey, oui. Je te retourne donc la question. Pourquoi pas la Reine des Archers? Non, je pense qu'on peut faire des trucs cool avec ce deck. Je pense qu'il y a moyen. C'est avec ce deck que je suis monté à 6600. Donc écoutez, ça avait l'air de bien fonctionner. Et au pire, j'ai 2-3 idées pour des decks en backup si vraiment ça se passe mal. Mais je pense pas qu'on en ait besoin. Je pense que tout se passera bien. J'ai confiance. Tu vas faire du ladder. Ouais, on va faire du... Bah oui, on va faire les 7000 trophées. Du coup, record de trophées. Donc on va faire du ladder, ouais, effectivement. Donc voilà. Voilà. Je vous propose, en ce début de live... N'est-ce pas? Le temps que tout le monde arrive, encore une fois, le temps que voilà, on s'échauffe un petit peu. Est-ce que ça vous dit? Parce que je sais que ça vous travaille beaucoup. Est-ce que ça vous dit? J'ouvre cette fameuse marche du roi, ce truc là en haut à gauche. Est-ce qu'on l'ouvre? Est-ce que on finit par l'ouvrir? Parce que non mais je sais que ça vous travaille. Je sais que d'ailleurs je crois que les modérateurs avaient dû carrément ban des mots clés genre marche du roi typiquement dans le chat parce que ça spammait beaucoup trop. Vous vouliez absolument que je l'ouvre. Et je pense pas en faire une vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo pack opening. Donc je vais pas en faire une vidéo. Donc je pense qu'il est l'heure. Le temps de partir. Il faut ouvrir cette match du roi. On est niveau 14, il faut y aller. Il faut ouvrir tous les coffres. Ah, vous avez l'air chaud, ouais, ça vous dit, ça a l'air de vous dire. Ouais, j'ai l'impression que ça vous embête. Je pense que ça vous embête. Je pense que ça vous embête et je pense qu'il faut qu'on fasse un truc pour ça. Pour régler ce problème, n'est-ce pas? Naël, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le super chat. Tiens, pour te récompenser, continue. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Ok. Attendez, je lance un... ouais, ça va passer. Ok. Je lance un rec. Ok, on est bon? Oula! Non, c'est bon. Petit bug. Qu'est-ce qu'il passe? Oui, ok. Non, il n'a pas aimé que je lance un rec. C'est bon. Tout va bien. Tout est en ordre. Ok, on va s'ouvrir la marche du roi. La route du roi. Le truc du roi. Alexandre, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le super chat. Je me lève à 4h demain. Regardez hashtag ou aller dodo, je ne sais pas. Le choix est dur. Ça dépend. Si t'es solide, tu peux regarder. Si t'es pas très solide, ne regarde pas. T'auras la rediff. Il y aura la rediff. Ne t'inquiète pas. Kenny, merci beaucoup pour le super chat. Laissez-moi ouvrir ma marche du roi, les gars. Oh, arrêtez de faire des super chats. C'est terrible. Merci beaucoup, Kenny. Merci beaucoup. Bon, on va ouvrir cette marche. Avant d'ouvrir la marche, parce que ce sont des coffres. Et parce que... Il y a des offres en ce moment, il y a les champions, tout ça. Je fais un petit rappel, évidemment, en début de live, ça fait jamais de mal. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous achetez des offres ou le pass royal avant d'acheter, n'oubliez pas le code hashtag dans la boutique. Voilà, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. N'hésitez pas à le rentrer, ça me soutient énormément et je vous remercie énormément si vous le faites. Voilà, je voulais juste faire un petit rappel, parce que ça fait pas mal de faire un rappel, sans trop le spammer non plus. Mais voilà, pensez-y parce que c'est vraiment cool. Voilà, maintenant. Maintenant on part dans l'opening. Maintenant on y va. Si je clique, ça fait quoi? Est-ce que ça casse tout? Oula! Ok. Ouais. Ok. Donc là on fait tout ça. Donc là on a tous les coffres de là. Donc on a combien de coffres? On a un coffre par niveau, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13, oui, parce qu'on n'a pas pour le niveau 1. On a 13 coffres. J'ai une question pour vous. Est-ce que les coffres de niveau 2 n'ont pas beaucoup de cartes? Genre, est-ce que... Ou alors, si je les ouvre niveau 14, c'est trop bien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Ça va être un peu nul, les premiers coffres, non? Mister, merci beaucoup pour le super chat. Kenny, merci beaucoup pour le super chat. Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup. Non, je sais pas, attendez, je teste ou pas? Je teste le coffre de niveau 2. Oui, non, oui, non. Oui, nul, nul. Nul. Oui, non. Ok, on teste. Non, mais on teste. On teste, on teste, on teste, on teste. On va être fixé très vite. On teste. Attendez, on teste. Attendez, on teste. Ah ouais, 500 d'or, ça sent pas bon. Hein. 500 d'or, ça sent pas bon. Oh, plus 50 gemmes. Ah oui, non, mais quand même, 50 gemmes, ça régale. Ah oui, oui, d'accord. Non, effectivement, ouais. Ouais, non, mais effectivement, les dragons, comment vous dire. Bon, deux dragons, on va pas... Ouais, c'est le coffre de niveau 2. Hein. Ah, c'est... Ah, il y a 34 chevaliers quand même, donc voilà, mais... ouais, c'est du coffre de niveau 2. Hein. Ah ouais, c'est... c'est du coffre de niveau 2, effectivement. Effectivement, niveau 3. Mister, merci beaucoup, bonne chance briquette. Merci beaucoup pour le super chat. C'est un peu claqué. Non, les premiers sont un peu claqués, mais c'est parce que c'est du bas level. Là, regardez, 750 d'or, c'est déjà mieux, 50 gemmes, on prend. Ok, des recrues, on n'a pas besoin. 10 chauves-souris, 43 Tesla et 19 cash goblins. Ça va, en vrai. Non, mais en vrai, moi, je prends. Hein. Moi, je prends. Kenny. Merci beaucoup, Kenny. Merci beaucoup, Kenny, pour le super chat. Merci beaucoup. Merci d'être toi. Merci à toi. Merci beaucoup, c'est énorme. Les notifs sont en retard. Bon, vous avez l'habitude, c'est normal. Elle va s'afficher, regardez, elle arrive là, maintenant. Elle arrivera, non, elle arrivera, non, ne vous inquiétez pas. Le coffre, il est ouvert. Ça régale de gemmes, ouais, par contre, ça régale de gemmes. Par contre, c'est cool. Par contre, ça, c'est cool. Et puis, en vrai, on est que niveau 4, mais on a quand même des cartes, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus énorme, mais voilà, mais que les... La notif, la notif qui arrive maintenant. C'est bon. 1000 d'or. 1000 d'or pour commencer. 50 gemmes pour continuer. 4 fournaises. 72 gangs de gobelins, c'est bien, non mais c'est bien en vrai, c'est que le co... Biquette, pardon. Merci, merci Mister pour le super chat. 72, oh moi je prends hein. 21 Valkyrie, et là des épiques. On prend. C'est que le coffre de niveau 3, 4, 5, je sais plus, mais on prend. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh Kenny. Putain, au secours. Arrêtez-vous. Laissez-moi ouvrir mes coffres. Merci beaucoup Kenny, t'es incroyable. Tu es incroyable, merci à toi. Merci beaucoup. Merci énormément. C'était le coffre de niveau 4. Merci Mister. Et les alertes sont un peu de retard, c'est pas grave. C'était le coffre seulement de niveau 4, donc en vrai c'est pas mal. Go niveau 5. Juste go niveau 5 en fait. Vous avez vu le coffre change de couleur quand il s'ouvre? Vous avez vu ça ou pas? Il est bleu quand il... Kenny. Merci encore. 1500 d'or, oui, non, il change de couleur, il est d'abord bleu et tu l'ouvres et ça passe au vert, regardez bien sur le prochain coffre. On a go... Oh! Attends quoi? Attends, on a un truc là? Oh, on peut avoir un héros, on peut avoir un héros, je pense qu'on peut avoir un héros. Oh, ça serait incroyable, imaginez on a un héros, ça serait incroyable. Attention. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oh, allez, c'est normal. C'est un joker. C'est un joker? Mais vous me cassez mon fun là, vous me spoilez! C'est vraiment... Non, si c'est un joker, je vous déteste. C'est un joker, je vous déteste. Je vous déteste! Regardez comment j'étais heureux! Regardez comment j'étais heureux! Vous m'avez tout gâché! Vous m'avez tout gâché! Moi j'étais heureux de vivre, heureux d'être là! J'avançais dans la joie et la bonne humeur! Vous m'avez tout gâché! Tout. 107 électro. Ouais. 38 cabanes. Et des gobelins géants qui vont être revendus. Bon après ça fait une légendaire. Bon ça reste un joker. Bon l'ascenseur émotionnel mais ça reste un joker. Ce qui est quand même correct. Non quand même ça va. Ça va. Les jokers sont au début du coffre. Ouais. Quand même gâcher mon plaisir. Regarde les coffres. Là il est bleu. Hop, il est vert. Voilà, ça me rend heureux. ça me rend heureux. 2000 d'or. 50 gemmes. 27 chauves-souris. 117 barbares.
50 chevaucheurs, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Merci beaucoup, Evan. Merci beaucoup pour te remotiver. Oh, t'inquiète, je suis motivé. T'inquiète, je suis à bloc. Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci pour le super chat. Sifu à Gobelin, c'est parfait. 191 sur 200, c'est nickel. Ça avance bien. Parfait. On prend avec grand plaisir. En vrai, on est que niveau 7 là pour l'instant. Enfin, on est que niveau 7. On est que au coffre de niveau 7. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, hein. Honnêtement. On continue. En plus, ça fait de l'or. Ça fait quand même... Et ça fait des gemmes. Ok, les jokers au début. On a 180 jokers. 62 extracteurs. Alors là, là, c'est un champion. C'est peut-être un champion, mesdames et messieurs. C'est peut-être un champion. Là, on peut pas savoir. Là, on sait pas. C'est peut-être un champion. C'est peut-être pas un champion légendaire. Je sais pas. C'est un joker. Non, c'est pas un joker. Arrêtez, c'est pas un joker. Ça peut pas être un joker. Vous avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Légendaire. C'est peut-être une légendaire. C'est un coffre de niveau 7. Du coup, je suis pas sûr qu'on ait des champions dedans. Enfin, sur le dernier. Est-ce qu'on a une chance d'avoir des champions? Je suis pas sûr. C'est peut-être une légendaire, ouais. Peut-être. Mister, merci beaucoup. Reprise du travail demain. Génial, le jour férié. Merci beaucoup, Mister. Et bon courage à toi. Je suis avec toi. T'inquiète. Moi, c'est tous les jours que je travaille. C'est même le dimanche, regarde. Bon, après, ouvrir des coffres d'amélioration comme travail, en vrai, c'est plutôt sympa. Je vais pas vous mentir, c'est pas très dur comme travail. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt des bonnes conditions. Champion, c'est qu'à la fin. C'est vraiment une légendaire, là. Vous me gâchez mon fun. C'est vraiment une légendaire. C'est bien, non mais c'est bien, mais... Ah, c'est une bûche. C'est une bûche. C'est une bûche, c'est une bûche. Champion, c'est que le coffre. Ok, c'est que le coffre 14. Ok. Bon, c'était une bûche. Bon, c'est cool. On prend la légendaire quand même. Kenny, merci beaucoup, Kenny. Merci beaucoup. Continue ce que tu fais. Merci beaucoup, Kenny. Merci à toi. Au secours. Coffre de niveau 8. Je me bats pour la France. Merci beaucoup, Mister. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous êtes en forme ce soir, la vache. On n'a pas commencé à jouer. Hein. Vous êtes au courant. Hein. Record de trophée, on n'a pas commencé une seule battle. Hein. Vous êtes au courant de ça. Bon. On enchaîne. Allons-y. 4500 d'or. Ça commence à devenir de mieux en mieux. 50 gemmes. Ça, c'est très bien. 434K, mesdames et messieurs. 4000 abonnés. Merci beaucoup. Merci à vous. On a passé un millier. Je voulais vous mettre un compteur qui défile. Je voulais pas vous mettre les zéros là. Je voulais vous mettre un truc qui défile. J'ai pas réussi à le mettre en place. Voilà. Il y a des sécurités Google et tout qui sont ultra relous. J'arrive pas à le mettre en place. Il y a peut-être un moyen que j'y arrive, mais voilà. C'est relou. C'est relou. Mais j'y travaille parce que ça serait vraiment cool d'avoir un compteur qui défile ici. Mais bon, bref. Merci beaucoup. Merci à vous. On enchaîne. 200. Hey, c'est pas mal. Regardez, 215 artificiaires. Gamix, merci beaucoup, Gamix. Gamix. Oh, je dis n'importe quoi ce soir. Merci beaucoup, Gamix, pour le super chat. Merci beaucoup. Bon, c'est bon, là, le fun est gâché. On sait que c'est une légendaire. Bah voilà, vous me l'avez gâché, mon fun. Moi, bon, j'étais là, plein d'espoir. C'est une légendaire. Bon, alors, on a quoi comme légendaire? Vous vous souvenez du jeu qu'on faisait à une époque? Vous savez, quand j'étais pas max, je suis plus max du coup. On essayait de deviner la légendaire qui sortait du coffre. Vous vous souvenez de ça ou pas? Il a mis la bûche. Est-ce que ça va être une bûche? Un molosse peut-être? Ah, le molosse est niveau 14 donc non. Il y a quoi qu'il me faut? Mamie sorcière, est-ce que j'ai les max? Je crois pas que j'ai les max, mamie sorcière. Joker, non c'est pas un joker, arrêtez avec vos jokers, je veux pas avoir de joker. Ouais, électro-sorcier, ouais, électro-sorcier, ça peut être électro-sorcier. Princesse, ouais, cavabélier. Ouais. Bûcheron, champion. Ah, il y en a, je pense pas que ça soit sans. Je pense que vous avez raison, on peut pas avoir de champion encore dans ces coffres-là. C'est par niveau. T'as quoi comme légendaire? Bah, je les ai toutes, mais je les ai pas toutes max. J'ai genre mineur, molosse de max, un truc comme ça. Il y en a quelques autres aussi, je me souviens plus exactement. Sorcier glace. Oh, il me faut un sorcier, vous avez raison. Il me faut un sorcier. Oh, ça doit être du sorcier. Ça doit être du sorcier, c'est du sorcier, c'est du sorcier. C'est du sorcier, frérot. Je colle le sorcier de glace. C'est pas très glacé, mais ça me va, dragon de l'enfer, 17 sur 20, c'est du dragon de l'enfer, c'est ok, en vrai c'est ok, tant que c'est pas un truc que j'ai maxé, ça me va parfaitement, dragon de l'enfer mesdames et messieurs, au niveau, pas encore 14, on est à 17 sur 20,
Niveau 9, on s'approche des bons coffres. Là, on commence à se frotter un petit peu les mains. Le niveau 9, mesdames et messieurs, qu'on va enchaîner. 5300 d'or pour commencer. Les 50 gemmes. Les 50 gemmes qui sont là. 250 de canon, ça commence à être rentable, c'est pas mal. 87 Valkyrie, c'est bien aussi. 10 électro. Et une légendaire. Putain, c'est cool, ça avance. Ah, il me faut sorcier glace, les gars. Sorcier glace, priez avec moi, priez pour moi. Priez pour moi. Sorcier glace, s'il vous plaît. Que je le max. Une fois pour toutes. Ah, il me faut du sorcier glace, vraiment. S'il vous plaît, donnez-moi votre chance. Ça sera un sorcier glace, ça sera un sorcier glace, pas du pêcheur, pas du pêcheur s'il vous plaît, juste sorcier glace. Sorcier glace. Électro-sorcier, ok, c'est un sorcier, pas le bon, mais c'est un sorcier. Ça fait 15 sur 20, en vrai c'est pas si mal, parce que comme ça il avance un petit peu, c'est important aussi, l'électro-sorcier il est vraiment très bon. Dommage, non mais ça sera pour le prochain coffre, on ne désespère pas, on aura du sorcier glace, on l'aura ce sorcier, on l'aura. Coffre de niveau 10, on commence à arriver vers la fin là, les champions garantis, ils arrivent. Mesdames et messieurs, 6000 d'or pour commencer, les 50 gemmes habituelles, également on s'habituerait presque. 287 boules de neige, ok. 100 mousquetaires, ah ouais ça commence à être pas mal hein. Ça commence à être très très sympathique cette histoire. 12 clonages. Et la légendaire, il me faut le sorcier. Meganono, merci beaucoup Meganono pour le super chat, merci à toi. Allez, sorcier de glace s'il vous plaît. Sorcier de glace, une fois. Sorcier de glace, deux fois. Sorcier de glace, maintenant. C'est maintenant, c'est là, c'est tout de suite. C'est de la princesse. On va pas y arriver, hein. On va pas y arriver, hein. 15 sur 20, c'est bien aussi. C'est l'une de celles dont j'ai besoin, c'est bien aussi. Il me faut du sorcier, bordel. Donnez-moi du sorcier. Donnez-moi mon dernier sorcier, s'il vous plaît. Niveau 11, on s'approche de la fin. On s'approche de la fin. Le niveau 11 qui va partir. 7500 d'or. Les 50 gemmes. Le joker, j'ai cru, je l'ai eu l'espoir. À cause de vous, je sais que c'est un joker. Vous me gâchez tout mon plaisir sur le jeu. Tout mon plaisir que vous me gâchez. Bah on savait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, c'est pas grave. On a des communes, 360. Ok. Pourquoi tu me donnes 125 géants ? J'en ai déjà suffisamment. Frérot, j'ai besoin de toutes les cartes du jeu sauf du géant. Et le dernier. Sorcière, c'est pas mal. 199 sur 200 juste pour nous foutre le seum. Elle est presque niveau max. C'est cool, il en manque une. Donc c'est parfait. Écoutez, ça me va. En vrai, ça me va. Juste les 125 géants qui sont dommages. Kenny, monsieur. Kenny, avec les 50 balles. Incroyable. Merci beaucoup, Kenny. Phénoménal. Kenny, mesdames et messieurs, qui est là présent sur le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kenny. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Ouh, oh, que d'émotions dans ce live. Que d'émotion. Bon. Niveau 12, mesdames et messieurs. Ah, on va y arriver. On va finir cet opening. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire autre chose qu'un pack opening dans ce live? En vrai, je suis pas sûr. En vrai, je vais changer le titre, je pense. Hein. Il va falloir faire quelque chose, là. Bon. Niveau 12, mesdames et messieurs. Allons-y. Limite, ça pourrait faire une rediff, en fait. Ça pourrait limite faire une vidéo, je veux dire. On monte ça, ça part en vidéo. Il y a presque matière. Niveau 12, ça s'ouvre. 9000 d'or, les 50 gemmes habituelles évidemment. Vous êtes déchaînés sur le live. Hein. Vous êtes déchaînés. Mais alors vraiment, les messages là, ça défile à une vitesse. Pourquoi tu veux le sorcier glace? J'en ai 19 sur 20. De sorcier glace. Mais non, mais gros! Donne-moi autre chose, frère! 432! Oh non, ça dégoûte. Parce que c'est pas comme si j'avais besoin de une carte ou deux, tu vois. J'ai besoin de toutes les cartes, sauf une ou deux, trois, quatre. Pas des recrues.
150, ouais, ça par contre ça fait, les 150 mousquetaires elle régale. Là par contre, ça ça régale. Ça ça régale. Ensuite, l'armée de squelettes. Sorcier glace. Sorcier glace, 2000 likes. Merci beaucoup pour les 2000 likes, merci à vous. Merci énormément. Merci beaucoup pour votre soutien. À chaque fois, pour avoir un compteur d'abonnés qui n'est, oula, qui n'a pas de zéro, il faut avoir Social Blade. J'ai eu le temps de le lire, le temps que je lise, le commentaire était déjà parti du chat. Non, Social Blade, c'est aussi, c'est pareil, c'est la même. En fait, pour avoir un compteur d'abonnés qui défile, il faut que ça soit mon compteur d'abonnés de moi, de mon analytics YouTube. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à me connecter à YouTube, etc. Via mon logiciel de stream. Et ça, c'est une galère à cause des sécurités. C'est pour ça que j'ai pas le compteur qui défile. Mais ça ne vous empêche pas de vous abonner, bien sûr, évidemment. Très important. On peut passer. Là, vous êtes plus de 4600 sur le live. Vous pouvez. Je suis sûr qu'il y a 1000 personnes qui sont pas abonnées. Vous pouvez me faire passer les 35 000 direct. Instant. Le destin est dans vos mains. Anthony, merci beaucoup pour le super chat. Trop fort. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi. Bon, le sorcier. Mais le sorcier. Go, le sorcier. Juste le sorcier. Juste donnez-moi le sorcier maintenant. Donnez-moi. Oh, et en plus, j'en ai 20. Mais mec. Mais non, pas comme ça, gros. J'ai besoin de tellement de légendaires. Me donne pas du méga chevalier. Je rage en pack opening. C'est pas possible. Oh, c'est terrible. Oh, mais le sort s'acharne, hein, vraiment. On est au niveau 13. Il y a que deux coffres. Il reste plus que deux coffres. Il ne reste plus que deux coffres. Ok, 11 000 d'or. C'est bien. Ça monte. 50 gemmes. C'est bien. Ça monte. 540 mortiers. C'est beaucoup. Ça fait très plaisir. Il n'y a pas de problème. 187 roquettes, frérot. 187 roquettes. On prend les épiques. On va en maxer une. Alors, par contre, si tu m'en donnes une que j'ai déjà max, je te claque. Parce que là, on en maxe une direct. Si on a une qu'on n'a pas max. C'est bon. 195 sur 200. On l'a quasiment maxé, plus 22, c'est très cool. S'il te plaît, le sorcier de glace. Je veux le sorcier de glace. Non, pas rip sorcier. Molosse, princesse, ne me portez pas la poisse dans le chat. Ne me portez pas la poisse dans ce chat. D'accord ? Il me faut un sorcier. Donnez-moi un sorcier. Tu auras électro-sorcier. Non, pas l'électro-sorcier. Non, pas l'électro, me porte pas la poisse. Le sorcier de glace. Le sorcier de glace. Le sorcier de glace. Mamie sorcière. Mais les max en plus. Non. Deux d'affilée, gros. Mais regardez, mais je déconne pas. Regardez, toutes les légendaires que je n'ai pas max. Regardez, le Zappy, le Cavabélier, l'Archer Magique, la Sorcière, le Dragon, le Bûcheron, le Pêcheur, la Princesse, la Bûche. S'il vous plaît, faites un effort. C'est pas possible. Bon, je pense que je vais garder le dernier coffre niveau 14 pour plus tard. Hein. Je vais pas ouvrir le champion tout de suite. De toute façon, je pense pas que vous avez envie que je l'ouvre. Je pense que c'est pas un truc qui vous plaît trop. Donc on va le faire. Je le ferai en off, je pense. Je le ferai pas en live. Je pense pas que ça vaille le coup. Un intrus. Merci beaucoup pour le super chat. T'auras roi squelette en champion. Prédiction. En vrai, j'aimerais bien chevalier d'or en fait. J'avoue, roi squelette c'est pas mal. Mais en fait, je suis en train de me dire que chevalier d'or ça pourrait être sympa. Je pense qu'il a des bonnes mécaniques. J'aimerais bien l'augmenter. Bon, on va l'ouvrir. Je rigole. On va l'ouvrir. Vous inquiétez pas, on va ouvrir le coffre. Maintenant, on va avoir un champion dans ce coffre. Champion garanti, vous le voyez, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Champion garanti dans le coffre de niveau 14. C'est parti, mesdames et messieurs, le champion qu'on va avoir dans le coffre d'amélioration. Le coffre qui est là. Pour commencer, 12 000 d'or. Merci Alexandre, merci beaucoup. Ton sorcier glace est max par contre. Il est max ? Sérieux, j'ai fait tout ça ? Non, j'irai voir après. Le sorcier était max ? J'ai max le sorcier, je m'en souviens pas. Merde. Bon, bah, pas besoin de sorcier en fait. Non mais... Oh, j'aurais tellement pué le seum. Je m'en serais tellement voulu. D'avoir call le sorcier.
En fait, je pensais pas qu'il était max en fait. J'en ai eu un, je me souviens plus. J'avais dû péter un câble et mettre un joker dessus en fait, à 100, mais à 100%. Ok, my bad. Excusez-moi. J'ai fait tout ce cinéma pour rien. Je suis le pire mec, le pire streamer. J'avais pas vu. 12 000 d'or, mesdames et messieurs, dans ce coffre. Le coffre du champion, il est là. 50 gemmes. Pour commencer, nous allons continuer avec des jokers. 576 jokers. Très bien. Nous allons continuer à chaque tour. Non, vraiment, premier degré. Non, j'ai pas fait exprès d'ouvrir. comme ça. Non, vraiment pas. Non, j'ai pas un jeu d'acteur comme ça, hein, je vous le garantis. Je pensais vraiment que j'avais besoin du sorcier. Bon, c'est pas grave. 200 mini PK, c'est bien aussi. Mini PK, c'est une bonne carte à avoir niveau max. On prend avec grand plaisir. 23 sorts de rage. Très bien. Là, on a la légendaire. Hein. On n'a pas encore le champion, rassurez-moi. C'est pas encore le champion, là. C'est la légendaire. Je crois que c'est la légendaire. 23... Par contre, 23 sorts de rage, je l'ai pas noté. C'est de la merde. Hein. Non, mais qu'on se le dise. Ouais, c'est la légendaire, c'est ça. Ouais, c'est la légendaire. Ok, c'est d'abord la légendaire. C'est après le champion. Hein. Il nous en reste deux. Ça doit être après. Champion maintenant? Vous êtes sûr que c'est le champion? Mais me faites pas. Non, c'est la légendaire, c'est pas le champion. La légendaire, mesdames et messieurs, qui va s'ouvrir dans un instant. C'est une légendaire, c'est bon. C'est une légendaire. Ça sera un archer magique. On valide l'archer magique. Maintenant, mesdames et messieurs, à vos prédictions. Est-ce qu'on va avoir une reine des archers? Un roi squelette ou un chevalier d'or? Kenny, merci beaucoup Kenny. Merci beaucoup pour le super chat encore une fois. Merci frérot, ça fait extrêmement plaisir. Ah, ça se bat dans le chat. Hein. Roi squelette, beaucoup. La reine, ok. La reine, ça serait dans le thème du live. Après, j'en veux pas parce que je préfère augmenter ceux que j'ai pas le niveau 13 encore. Donc, je vous avoue que moi, j'ai roi de squelette ou chevalier d'or. Je sais pas si j'ai une préférence entre les deux. Parce que de toute façon, il faut que j'augmente les deux au niveau 13. Donc je vous avoue que... Kenny, encore une fois. Je vous avoue que je sais pas. J'ai pas de préférence. Je serais content pour les deux, je pense. Vous dites quoi? Vous dites reine, squelette. Il y a pas mal de squelettes. Chevalier d'or. C'est tendu, hein. Ah, je pense que vous êtes partagé, hein. Chevalier, il y a pas mal de chevaliers quand même. Vous êtes pas mal sur le chevalier. Roi squelette, 54%. Très précis comme stat. Roi des squelettes, c'est sûr à 200%. La team roi squelette, vous êtes très sûr de vous. Ouvre et tu vas voir. C'est vrai que c'est une bonne solution. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, devant près de 6000 personnes, nous allons ouvrir le champion de ce coffre. Est-ce que vous êtes prêts? C'est pas souvent qu'on ouvre des champions, mis à part dans le pack opening de l'Odur, donc j'en profite de ce moment. Mesdames et messieurs, le champion du coffre d'amélioration. Je le refais. Mesdames et messieurs. Non, parce que je le fais bien pour TikTok en vrai. Parce que je me dis que ça peut faire un bon TikTok. Non, mais je vais le faire. Non, mais il y a de la suite dans les idées. Mesdames et messieurs. Secours, putain. Mesdames et messieurs, le champion du coffre d'amélioration niveau 14 sera. Attention! La reine des archers! Dans le thème du live, évidemment. Reine des archers, du coup, qui vient nous rejoindre. Bon, c'est pas ce que je voulais, je vais pas vous mentir. Hein. Une pointe de déception, je voulais des. Vraiment, le jeu ne me donne que des reines des archers. Vraiment, il veut que je joue la reine tout le temps. j'aurais bien voulu chevalier d'or et j'aurais bien voulu roi squelette aussi, parce que ça m'aurait fait. Ça m'aurait avancé un petit peu pour le niveau 13. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Reine des archers, on prend, bien sûr. Ça nous en fait 1 sur 20. Il y a un long chemin qui va venir devant nous. J'ai eu juste. C'est dans le thème du live. C'est tout simplement dans le thème du live. Voici, mesdames et messieurs, du coup, pour les coffres d'amélioration. C'est parfait. C'est fait. Vous n'avez plus besoin de les spammer, les modos, vous pouvez enlever les mots bannis. C'est bon, on est bon, c'est fait.
Bon, et maintenant, on va passer au vif du sujet, hein, n'est-ce pas? Là, on va passer dans le dur du live, n'est-ce pas? Puisqu'on va partir sur ce deck. On va partir jouer la fameuse Reine des Archers qu'on vient d'avoir dans le coffre. On va essayer de rusher du coup les trophées, possiblement les 7000. Il va falloir enchaîner les victoires. 7000 trophées, ça serait vraiment bien. Aller chercher le record de trophées. Et éventuellement, au moins un petit top 1000 FR pour finir la saison. Ça serait vraiment bien à 6800 trophées. On va voir un petit peu ce que ça donne. Non, j'espère pas de dérush. Non, me portez pas la poisse ça dans le chat. Vous dites quoi là? Vous dites n'importe quoi. Jamais de la vie. On ne dérush pas. Interdiction de dérush. Je vais mettre le score 0-0 actuellement. Et puis on va partir. On est déjà à 3000 pouces bleus. Merci à vous, merci beaucoup. Évidemment, n'oubliez pas hein, les pouces bleus si ça vous. Si vous passez un bon moment sur le live. Très important. Ça serait très cool. De votre part. Et puis voilà. Max ta reine. Je l'ai expliqué l'autre jour. Je sais pas si j'ai vraiment envie de maxer la reine tout de suite. Pour une raison qui est très simple. Qui est que je ne sais pas si c'est celle que j'ai envie d'avoir au niveau 14. Peut-être que le chevalier d'or pourrait être meilleur, ça dépend les decks, j'ai hâte de voir un petit peu le potentiel du chevalier. Donc pour l'instant j'attends un peu avant de mettre le livre ultime et on verra le mois prochain tranquillement. Voilà. On va passer dans les battles, allons-y, on est à 6600 trophées et puis il est temps d'y aller. Hein. Il est temps d'y aller, let's go, on va tenter le record. Et on est parti mesdames et messieurs. Nous sommes contre Asto. Alors, va falloir se remettre dedans là. Faut se mettre dans les games. Et on a un baril. Niveau 14 qui arrive en face. On a un petit zap pour aller défendre tout ça. Je vais mettre du zap quand même. Est-ce qu'on peut contre-attaquer avec une petite voleuse là déjà? D'entrée de jeu, histoire de dire bonjour. Attends, quoi? Il a déjà... Ah non, c'est moi qui ai posé. Hein. J'ai dit, il a déjà un électro-sorcier. Non, c'était mon électro-sorcier à moi. Je suis à l'ouest. Je viens d'arriver, j'ai raté quelque chose. T'as raté le pack opening, Zenix. Mais t'inquiète, il y aura la rediff. Qu'est-ce qu'on fait? On part dans Reine, hein, je pense. Juste Reine, en fait. Hein. Mais je sais que c'était à 7000, tu as baissé. Il y a des resets. Ok. Ok. J'ai oublié le pouvoir de la reine, du coup, du côté gauche. J'ai oublié le pouvoir de la reine, my bad. Faut que je me concentre, ok. La reine, va falloir que je la garde en tête, parce qu'en vrai, en déclenchant le pouvoir de l'autre côté, même s'il nous met la pression, on peut lui mettre tarif sur la tour. He's ok, c'est la game de chauffe. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a un système de reset, tout simplement, sur le jeu. En fin de saison, tu perds des trophées. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu des trophées. Étant donné qu'aujourd'hui, on est sur un rush de fin de saison, je vais bientôt en perdre de nouveau. La reine, c'est la meilleure carte. En ce moment, en vrai, ouais. En vrai, je pense qu'on peut dire vraiment qu'en ce moment, la reine, c'est la meilleure carte. Est-ce que si je fais ça, ça peut être pas mal? On va cadarder le truc, ça peut être pas mal. Ouais. Ok. Je vais partir en PK, je pense. Oh non, ça a pas focus le bon dragon. On va prendre cher. Ok. Faut que je garde la reine pour ça, hein, parce que là il va me remettre un coup sur la tour. Il va d'ailleurs me prendre la tour. Ok, j'ai pas besoin de forcer plus que ça. Ok, vas-y, let's go. Ok, Bélier qui va connecter. C'est pas mal. Après on a déjà perdu une tour, donc on est un petit peu en retard. 20 secondes. Attends, quoi? Oh non, vas-y, les squelettes sont pas morts! Ça dégoûte! Ah, dommage, je me suis loupé. On pouvait gagner sur l'arène de tout à l'heure. Good game. Game de chauffe qui s'est mal passé. On aurait dû gagner sur l'arène. J'ai pas eu le réflexe, j'ai zappé le pouvoir de l'arène du côté gauche. On l'aurait gagné là-dessus. Dérush dès le début. Non, c'est pas un dérush, c'est une game de perdu, les gars. Non, ne confondez pas tout. C'est la game de chauffe. Ça sent le dérush. Mais pas du tout, les gars. Le mental, les gars, il est où, là? Pas du tout. C'est une première game, on y va. On se chauffe. C'est normal, j'étais pas dedans, c'est la première.
Bon, il se trouve que la première, on l'a fait en ladder. Donc forcément, il est possible. On n'était pas loin. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Regardez, on fait une deuxième game, ça passe tout seul. Ça me fume vraiment parce que... J'adore les chats parce que... On a l'impression que vous, ça ne vous est jamais arrivé de perdre dans votre vie. Vraiment, il y a une défaite, gros. C'est la fin. C'est la fin. C'est le dérush. La catastrophe. Je me retrouve à semer le trophée en fin du live. Ça me termine. Vous inquiétez pas. Tu vas y arriver. Voilà, des messages positifs. C'est ce qu'on veut voir. L'invisibilité de la reine. On le déchire, le bouliste. Oh, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Calmons-nous. Bon, le bouliste, du coup, qui défend parfaitement une reine. Bon à savoir. Il y en a quelques-uns de bullies dans la méta, donc on retient. Bon, par contre, on a un PK qui, lui, déchire totalement le bulliste. Je vais partir PK, je pense. Hein. Je pense, hein, j'ai l'impression d'être en avance en élixir. Ok, il y a une tombstone, ça m'arrange. J'ai un poison, on se met très bien. Hashtag go les 5K pouces bleus. Ah bah, moi, avec grand plaisir. Hein. En vrai, je gère pas la tombstone tout de suite parce que... Comme ça, ça me permet d'accumuler l'élixir avant que le PK traverse. Là, on a un petit poison qui se met très bien. Oh, he's ok. Je pense pas particulièrement plus forcé que ça, en vrai. J'aurais peut-être pu glisser un bélier derrière, mais en vrai, je vais prendre mon temps pour le moment. On a un coup sur la tour. Un deuxième. Dommage. Oh, et j'aurais pu caler un zap. Oh, le zap aurait été pas mal. Vous voyez, là, je me chauffe parce que... Mais ça, c'est prévisible. Oh, je peux pas. What the? Quoi? Je peux pas mettre le pouvoir? J'ai pas pu mettre le pouvoir quand c'était freeze. What the fuck? Depuis quand? Ça dégoûte. Ok. Non, alors je disais, oui, là je me chauffe parce que vous voyez que j'ai les bons moves mais je les ai un tout petit peu trop tard. Je suis en mode, ah, j'aurais dû faire ça. Et j'apprends des trucs sur l'arène aussi parce que bon, j'ai pas non plus énormément joué. Donc voilà, vous inquiétez pas, on va monter en puissance. Nous sommes un diesel. J'attends qu'ils mettent exactement. Et j'attends aussi le bulliste. Voilà, comme ça on a un max de value. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous permet aussi. Go je pense hein. Bah let's go hein. Ça nous permet aussi de. Ok, je mets l'invisibilité, on va mettre un truc ici. Non, dommage. Ok, ouais. La voleuse. Dash. Dommage. Ça, je sais plus ce que je disais. Vous avez... Ouais, je... Pardon. Monsieur quoi? Allô? Le zap. Zap qui était bien. Zap qui était vraiment très bien. L'électro, il s'est barré. C'était pas sa guerre. Ok, ouais. Le dash voleuse. Dommage. Je vais repartir dans le fond du terrain parce que j'ai l'impression que ça nous met bien quand même les gros push avec des poisons bien value comme il faut. Il nous reste encore un petit peu de temps, tout va bien. Je vais partir avec une reine dans le fond du terrain. Je pense que je vais... Ah ouais, je vais cycler la reine, il est con lui. Ça se cycle pas une reine, c'est dans un cycle différent. Oh là là, ce poison mec! Le poison, phénoménal. Phénoménal. Et là du coup il n'y a plus aucune troupe qui peuvent Bon attends, il y a juste un problème. On va mettre une rêve invisible comme ça. Si on peut aller gérer. Tra, elle a pas fait grand chose. Elle a pas fait grand chose malheureusement. On a du mal à passer sur la tour. Non. Ah bien joué, il va m'avoir. Good game. Trah, on commence par deux défaites, c'est dur. Hein. On commence par deux défaites, c'est compliqué. Je sais pas trop sur cette game si j'aurais dû passer, si j'aurais dû partir de l'autre côté. Un électro sorcier reset la capa n'importe quel héros. Oui, ouais. Donc tout ce qui est gel, électro et tout, ça marche sur les héros. Et c'est un peu perturbant, j'avoue. Tu t'attends à activer le truc et que ça soit bon. Mais ouais. Dans cette battle était un peu plus compliquée. Je sais pas comment j'aurais pu la win. J'étais un peu malgré pourtant le poison qui a fait une bonne value.
pas réussi à passer avec mon bélier. J'aurais dû le balancer de l'autre côté, je pense. J'aurais dû le balancer de l'autre côté, en vrai. Je pense que c'était prenable. Bon, écoutez, c'est pas grave. On continue. On continue. Les gars, interdiction de dire des rushs avant 4 défaites. Hein. Je vous le dis. Bon, 3 défaites, ça commence à être chaud d'affilée. Mais avant 4 défaites, c'est pas un des rushs. À partir de 4 défaites, c'est un des rushs. C'est la règle. Kenny, merci beaucoup pour le super chat encore une fois. Merci beaucoup à toi. T'es en forme aujourd'hui. Reine des archers. Reine des archers. Ok. Est-ce qu'il a un... Qu'est-ce qu'il a là? J'ai l'impression qu'il planque un truc. Il va planquer un gel là, c'est sûr. Il planque un... Je vais devoir laisser vraiment à gauche là? Ouais, je vais laisser à gauche. Je vais laisser à gauche, on va essayer de canarder. Voilà, c'est pas mal, on a utilisé la capacité de l'arène. C'est vrai qu'on l'a pas trop fait depuis le début. Kenny, merci beaucoup encore une fois pour le super chat. Merci beaucoup. On a pris un petit peu cher à gauche. Mais ça va. On a du ballon en face, donc vraiment faut qu'on garde la l'électro-sorcier en main. Poison. Faudrait que ça disparaisse vite. Non, l'archer. Là. Ouais, c'est bon. C'est bon. It's good. On a tout le monde. Bon poison. Ça va. On garde ça en main, évidemment. Du coup, je vais plutôt partir avec un bélier. Voilà, parfait. En plus, pas du côté de la voleuse. Et on va mettre un PK, je pense, ici. Comme ça, il va accueillir tout le monde. Et ça me paraît très très bien comme ça. Malheureusement, l'artificier, on n'aura pas l'occasion d'aller la chercher. C'est trop loin pour la reine des archers. Elle va se faire fumer. Donc on va simplement tempo. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre une bonne voleuse. Comme ceci. Ça, c'est pas mal du tout. Et derrière, on va simplement mettre ça comme ceci. Ah, par contre, attendez. Ouais, parce qu'on a juste un petit problème ici. On va mettre l'invisibilité comme ça pour essayer de faire passer tout le monde. Ah, dommage. Pas forcément utile ce zap. Je vais cycler. Pour encore avoir une fois... Oula, pour encore une fois avoir mes défenses. J'ai l'impression qu'il peut pas faire grand chose contre le PK, donc je vais partir PK fond de terrain. Ça devrait être pas mal. Normalement la voleuse. Ça devrait être bon. La voleuse passe sur la tour. Passe sur la tour, gros! Non, il a mis un coup. C'est le moment. It is le moment. J'ai rien pour... Si j'ai un truc pour tanker, Il va l'avoir. J'ai perdu. Good game. C'est loose, il a la foudre. Il l'a en main. Dommage. On va pas le laisser jouer avec la bouffe, hein. On va se laisser terminer comme ça. C'est dommage. Allez, là les 3 défaites, là ça commence à sentir le dérush. Mais on va pas se laisser abattre. Ne vous inquiétez pas. Ça a été compliqué un petit peu là. J'aurais dû garder la reine pour la défense. Il m'a eu avec la foudre aussi. Bon, moins 31. On a descendu 70 trophées. Ça va, on peut remonter facile. Reprends-toi, t'inquiète pas. Mais je suis pas, vous savez, c'est pas parce que vous faites quelques défaites, bon, on aurait peut-être un peu mieux jouer. C'est pas parce que vous faites quelques défaites que c'est forcément un des rushs, hein. Je vous ai dit, c'est tranquille, ça commence et tout, on chauffe, c'est pas grave, hein. Paniquez pas, hein. On est contre Bartman. C'est parti. Vous ne paniquez pas, ça va bien se passer. À chaque fois, il faut faire un don pour parler avec toi. Disons qu'un don, je vais le lire à 100%, ouais. Enfin, un super chat, je vais le lire à 100%. Alors que dans le chat, il y a un peu beaucoup de messages, donc je risque de le louper.
Mais je lis quand même des messages du chat, hein. C'est pas exclusif non plus. On a de l'Arkix en face, un Arkix un peu chelou avec une voleuse également. Non mais gros! On va remettre un électro ici. J'aurais pu utiliser la kappa en haut, mais en vrai, je préfère faire ça. Je vais mettre un poison ici. J'ai pas envie de perdre mon élixir. Et on va tempo. Il joue un deck très bizarre. Je vais partir dans le fond du terrain. Oh, au moment... Vous inquiétez pas. Non, j'ai raté, mais putain, mais c'est pas possible. Oh non, mais je suis dégoûté. Comment je rate ce zap? Il était dessus, gros. J'ai pas rêvé, il était dessus. J'ai surligné l'Arkix. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Le pire joueur. Le pire joueur de Clash Royale, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Le pire joueur de... Je vais renommer le live en fait. Le pire joueur de Clash Royale. Le pire joueur Reine des Archers. Non mais c'est aussi simple que ça. On va mettre juste un zap ici, ok. Il va mettre un Arkix défensif, c'est pas mal. Du coup moi je vais partir PK fond de terrain. Je mets la capacité parce que j'ai envie d'aller fumer l'Arkix. Voilà. On va lui laisser la pompe parce que c'est un petit peu tard. C'est pas ça que je voulais mettre dans le fond du terrain, mais c'est pas grave. Là, regardez, j'attends. On va mettre un poison ici. Je vais essayer d'aller gérer le sorcier très vite. Oh la vache, les barbares d'élite qui me font super mal. Hein. Les barbares d'élite qui m'ont fait très très mal. Dommage, j'ai pas eu la... Je sais pas si c'était utile ça. Hein. Ça va. Ok. Je vais partir en PK ici. Je vais essayer de changer un peu de côté là pour le surprendre. Ça, on l'emmène de l'autre côté. Attention, l'esprit, mais gros. Ignore pas l'esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il commence. Oh, j'avais pas vu à gauche. What the fuck? What? J'avais pas vu à gauche. Il s'est passé quoi, gros? J'ai pas compris, mais j'ai gagné. Donc ça me va, rien à faire, c'est une victoire, c'est ça la technique en fait, fallait partir de l'autre côté. J'ai eu le braquage, je sais pas ce qui s'est passé. Il fallait juste partir de l'autre côté en fait, c'était ça la solution, c'était juste ça en fait. C'est la voleuse, mais c'est vraiment la voleuse qui a tout fait, c'est pas possible. Elle a pas pris 3000 points de vie, dans quel monde? Lui aussi il était fatigué, ouais je sais pas ce qu'il a fait. Momolem, merci beaucoup Momolem pour le super chat, bonne chance pour le rush, même si tu dérushes. Non t'inquiète, regarde, ça y est, c'est parti, je vous l'ai dit. Faut pas vous inquiéter les gars. Quand vous sentez que vous commencez à fatiguer, à faire des erreurs et à perdre, vous faites 3-4 défaites d'affilée, c'est mauvais signe. Donc arrêtez-vous parce que vous êtes en train de dérush. Là, vu que c'était l'échauffement, et qu'on part quand même de 6600 trophées, donc c'est pas des quiches en face, c'est pas choquant, tu vois, genre j'étais pas, honnêtement je suis pas encore inquiet. Si je continue à perdre, je vais être inquiet, mais là je suis pas encore inquiet. On est reparti. Allons-y. C'est la technique de ce deck. Ouais, non, c'est vrai. Non, j'avoue, envoyer des troupes des deux côtés. J'ai tendance à me concentrer sur un seul côté. C'est vrai qu'il faut que je mette un peu plus la pression, juste avec une voleuse ou un truc comme ça. C'est très relou. Oula, voleuse qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut quoi? Ok. Électro-sorcier.
Peut-être pas forcément une bonne idée de partir. Ouais, il me faut une reine. Hein. Il me faut une reine et regardez, c'est parfait parce qu'on va pouvoir hop faire ça. Et je vais pas rajouter devant la reine parce qu'en fait la reine se suffit à elle-même. En sachant qu'évidemment, il va mettre un truc pour défendre. On déclenche la capacité. Et pam ! Ça dégage ! Ça dégage ! Juste, ça dégage ! Bon, il a quand même la défense derrière puisqu'il va pouvoir à peu près défendre. On va avoir un ou deux coups sur la tour. Parfait, on met la voleuse pour mettre un peu la pression. Vu qu'il a plus le gang de gobelins, ça va être relou pour lui. Et il est obligé de défendre avec un méga chevalier. Qu'est-ce que j'ai dans ma main ? Un P.K. Juste un P.K. en fait. L'électro qui est déjà en place pour aller défendre, évidemment, le baril. Hop, hop, ça tombe. Parfait. Et là, nous avons une contre-attaque de type masterclass. En sachant qu'on peut avoir... Ça m'étonnerait pas qu'il essaye de mettre une armée ou un truc comme ça. Exactement. Je vais donc mettre... Oh, un électro, c'est parfait. C'est parfait, la tour qui tombe, gros. C'est fini. C'est juste fini. Je vais appuyer un petit peu tout ça, histoire de mettre la pression sur la tour. Profiter aussi de l'électro. On enfonce le clou, hein, vraiment. Barbares qui vont taper là-dessus. Is ok. On met ça ici. Non, gros. Non, 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 non. Pourquoi je loupe toujours ce... Je loupe ce timing. C'est bon. On n'a pas pris trop cher. On n'a pas pris trop cher. Reine des archers encore qui va partir ici. Dragon qui... He's ok, regardez. He's ok, regardez. He's ok, regardez. On va faire mettre la voleuse invisible, comme ça elle... la reine invisible, comme ça elle peut un petit peu tout gérer. Et puis on est parfaitement bien dans cette game, mesdames et messieurs. On va pouvoir partir, tanker devant, regardez ça, hop, hop. Ça va. Tout va bien. Un P.K. ici. L'électro qui va tomber derrière. Hop. Et ça c'est fait. Good game. Well played. On remonte. Ne vous inquiétez pas. C'est maîtrisé. 2-3. Merci beaucoup Momolem. Dernier petit don pour ce live. Maintenant je prends mon popcorn et je profite. Installe-toi. Kiffe bien. Merci beaucoup. Installe-toi, t'as pas besoin de faire des... T'inquiète pas, installe-toi et profite. Nonobang, merci beaucoup, coucou, trop bien, tu as un live qui soutient pour toi. Merci beaucoup Nonobang, merci à toi. Pareil, prends ton popcorn, installe-toi, profite. Le mental. Bah là, franchement, je suis pas inquiet, moi, vraiment, ça, ok, c'est pas un bon début. Mais franchement, je suis pas inquiet, c'est pas un des rushs, c'est juste un petite game de chauffe, voilà, ça arrive. On a passé les 4000 pouces bleus, merci beaucoup, merci à vous. Ça fait plaisir. Et on va repartir, mesdames et messieurs, pour repasser les 6600 trophées. Code créateur hashtag. Merci beaucoup. Évidemment, pensez-y. Éventuellement, un petit code créateur avant d'acheter un pass royal. Ça fait toujours plaisir. PK dans le fond du terrain. Ça va accueillir tout ça. Mister, merci beaucoup pour le super chat. Moi, je dis un petit 12-4. Un 12-4. Ouais, 12-4, t'es optimiste. Hein. Ça veut dire qu'on va vraiment les enchaîner. Après, c'est tout le mal que je me souhaite, hein, vraiment. Et merci beaucoup, Mel. Merci beaucoup pour le super chat. Je fais ça. Je suis pas sûr que ça soit opti. Mais j'avais pas d'autre idée. J'étais en train de lire le chat. Quoi ? Non ! Je suis déçu. Nicolas, merci beaucoup. Re à toi, Nicolas. Merci beaucoup pour le super chat. Putain, vous êtes déchaînés ce soir. On ne vous arrête pas. Voleuse qui va dasher là-dessus, c'est pas mal. Ok. Je pense pas que j'ai besoin de cycler sur le PK ou de mettre un bélier. He's ok, je pense que le fantôme va tanker. J'ai pas envie de forcer non plus. Je la joue tranquille cette game.
Ok, c'est le fameux spawner. Faudrait peut-être que je la joue un poil moins tranquille, hein, du coup. Du coup, on va faire ça. Mais on va mettre un peu la pression, on va l'empêcher de vraiment s'installer. Là, on a une bonne opportunité pour le poison. Oh dommage, j'aurais dû le mettre un poil plus tôt le poison. Oh, ça aurait pu taper avec le PK. Ça, c'est vraiment dommage. Voleuse qui va partir ici pour aller tanker, derrière défendre l'esprit. Il a pas encore touché nos tours, hein, donc en vrai, on est pas trop mal. Et si on peut avoir quelques coups sur la tour, on prend de l'avance, c'est bien. Après, c'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est de l'empêcher de s'installer. C'est pour ça que je vais repartir avec un PK juste là devant. Un poison également juste ici. Déclenche. Ok, c'est bien défendu. Et du coup là, regardez, il a pas pu totalement... Ah, il s'est déjà réinstallé, la vache. Ok. Restons calmes. Et buvons frais. Tout va bien se passer pour nous. Si on met la pression à gauche avec une voleuse qui peut carry la game. Le poison, magnifique. Superbe poison de notre part. La voleuse qui a effectivement dashé sur la tour. C'est la stratégie de ce deck. On va continuer en voleuse. Hein. Parce que Bélier, il peut trop facilement mettre le... Il peut trop facilement mettre le... Oula, quoi ? Pas prévu qu'il y ait ça sur le terrain, moi. Parfait. Elle a carry. Elle a juste totalement carry. Voleuse qu'on va mettre de l'autre côté. Et je cycle en fait sur la reine des archers pour aller gérer tout ça. Et on va mettre également son pouvoir. Ici, on va mettre le fantôme pour aller gérer ici, là. Ok, ouais. Zap ici. Zap en urgence. Et les trop sorciers. Cinquante secondes. Ok. Tape sur la tour. Il a pas tapé sur la tour. Il est en train de paniquer un peu là, non? Si je fais ça. Non, rien, cochon. Pire jeu de ma vie. Non. Oui. Let's go, c'est gagné, monsieur. C'est gagné. Ouh. J'ai rien lâché. Tout va bien. Nous sommes en vie. Oh la vache. 3-3. J'ai eu chaud à gauche, hein. Il commençait à bourrer, mais moi je savais qu'il fallait que je gratte encore quelques dommages et ensuite que je défende au dernier moment. C'était très tendu, j'ai un petit peu paniqué à gauche grâce au fantôme. Ouais, après s'il n'y avait pas eu le fantôme, j'aurais mis un poison à droite du coup, je pense. Mais ça aurait été chaud, j'aurais peut-être pu prendre plus de dommages. C'était vraiment pas loin. Mister, merci beaucoup pour le super chat, ça t'arrange un peu en vrai si on est déchaîné. Bah en vrai moi ça me fait plaisir de vous voir à fond dans le chat, de vous voir mettre des GG, être à fond, vivre le live avec moi. Évidemment que ça me fait plaisir, bien sûr que ça me fait plaisir. Donc oui, bien sûr, ça m'arrange. Kylian, merci beaucoup pour le super chat. Première fois que je suis pas sur une rediff, continue, t'es le boss, c'est beau en rush. Merci beaucoup Kylian, merci à toi. Bienvenue sur le live, installe-toi. Christian, oh là là, Christian, merci beaucoup Christian, le super chat, j'adore tes vidéos, voilà. Merci beaucoup Christian, ça fait extrêmement plaisir. Pareil, bienvenue sur le live. Merci à toi. Et Bictionnaire, bienvenue parmi les membres de la chaîne. Installe-toi, merci beaucoup du soutien. Bon, on est revenu à 3-3, mesdames et messieurs. Vous voyez, c'est fait, il ne fallait pas paniquer. Mel, merci beaucoup, Melroy. Merci pour le super chat, tu joues d'autres decks. Tu dois en avoir en stock. Joue d'autres decks.
Oui, alors non. Oui, j'ai des idées de deck. Mais j'aime bien quand je fais des lives ou quand je fais des rushs, j'aime bien ne pas changer de deck. Changer de deck quand tu fais un rush, c'est une très mauvaise idée parce qu'il faut t'habituer au deck et au style du deck. Donc pour optimiser ton rush, il faut garder un seul deck. Donc je préfère faire comme ça. Et j'aime bien ce deck, je le trouve vraiment cool. Même à regarder en live, il est vraiment cool. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de jouer que ce deck. Mais je vous parlerai d'autres decks Reine des Archers, évidemment, dans des prochaines vidéos. C'est prévu. Pour pas trop spoil. Luc, merci beaucoup pour le super chat. Bonne chance, H, merci à toi. Merci beaucoup. Bon, on est reparti, mesdames et messieurs. 3-3, on est revenu au point de départ. Et maintenant, on monte. Maintenant, juste on monte. Let's go. On est contre Rebeu Charmant. C'est parti, bonne chance. Archer Magique en face. Reine des Archers de notre côté. S'il joue Archer Magique, il doit pas jouer de... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup croisé de champions, en fait. Je viens de capter. Je veux pas qu'il tape sur la tour. Ok. Parfait. Belle voleuse de notre part. Ça va défendre derrière. Oh, il joue le même deck que nous. Il joue le même deck que nous, mais sans la... Vous avez compris, sans la reine. C'est très drôle en vrai. C'est très très drôle. Je vais mettre un Pékin un peu au fond ici. Merci Mister. Les trois défaites, c'est les gains de chauffe. Mais c'était les gains de chauffe ce que je vous dis. Oula. On va le déglingue. Je mets la capacité tôt déjà pour aller déglingue l'archer et pour voir si je peux pas la remettre derrière. Je vais peut-être devoir mettre un zap s'il met un... Mais non, trop tard, trop tard. Trop tard, ok, trop tard. C'était bon. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup pour le super chat. Petit défi pour la prochaine partie, nous raconter une histoire qui fait peur en même temps. Sinon, salut. Merci beaucoup à toi. Non, non, j'ai pas d'histoire. Attendez, laissez-moi rush. Déjà que je suis en train de perdre. Ça va pas du tout, non. Pas possible. Incapable. En plus, vous savez que je suis pas bon pour faire deux trucs en même temps. Donc c'est une mauvaise idée. Oh, par contre là la défense elle est propre hein. Là de mon côté la défense elle est très lourde. Avec en plus ce fantôme en dommage de zone double utilité. Je pense que c'est le moment de partir en bélier de combat. Reine des Archers derrière. On a un bon poison qui va se mettre ici. Peut-être que la capacité était peut-être un peu tôt. Je pense. C'est pas très grave. On va faire ça comme ça. P.K. du coup, il part assez tôt. Je vais partir du coup dans le fond du terrain. Ok, il met un bélier de l'autre côté. Du coup, on va faire ça. Et on va faire ça également. Fantôme ici. Oh là, frérot. Calme-toi. Ok, parfait. Capacité. Vite. Elle est déclenchée. Ah, dommage, il a mis une bonne boule de feu. Hein. Il a mis une très bonne boule de feu. Ah, par contre, ça, c'est... C'est pas bon. Ok, parfait. Oh, la Thanas. Reine des Archers juste ici. Ok, elle est invisible. Elle bourre tout le monde. Ouais. Ça va le faire. Reine des Archers invisible. Elle est pas invisible. Fond du terrain. Ça va le faire, regardez. Ça va le faire. Déjà là, faut faire attention. Faut pas que l'archer magique nous snipe. J'ai en vrai pas grand chose à faire du bélier là du côté gauche, je vous avoue. Plutôt partir comme ça. Merde. Poison qui va partir ici, c'est bien. Dommage. Ça s'est fait sniper derrière. Ok,
voleuse ici. Attends, reset, reset, arrête de taper sur ma tour, gros! Il va mettre la boule de feu, c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Allez, 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 allez. Je vais mettre la reine derrière, je vais mettre la reine derrière. 12 secondes, 12 secondes, 12 secondes, 12 secondes. Non gros, non gros, non gros, non gros, pas comme ça gros, pas comme ça, pas comme ça, j'avais la... Non, 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 non. Oh, je suis dégoûté. J'aurais pu passer, je pense, je suis dégoûté. Je me suis fait sniper par l'archer magique, c'est là-dessus qu'il a gagné. Aïe, 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 dommage. Dommage, dommage. Dommage, dommage, dommage. Je pense qu'on passait à la fin, il nous manquait un tout petit peu de temps. On était en train de passer, clairement, il était dans le mal, on avait tiré notre avantage, mais par contre, je me suis fait avoir sur les archers magiques, j'aurais dû faire vraiment gaffe. J'aurais dû faire vraiment plus gaffe que ça, à garder mon électro, je pense, pour l'archer magique. C'est vraiment dommage. Ah, l'archer magique, c'est lui qui a fait tous les dommages sur la tour. Et je me suis loupé aussi sur une boule de feu ou deux. Enfin, je me suis fait avoir un bélier par une boule de feu, ce qui a pu me coûter cher, alors que j'avais vu, pourtant, qu'il défendait la reine avec le bélier. Il a bien joué. Il a très bien joué. Bon, dommage. C'est pas grave, on va se refaire. Senko-chan, merci beaucoup pour le membership. Merci à toi. C'est parti, on est contre Faker. Bon. Comme quoi, l'archer magique, c'est pas... La reine des archers, c'est loin d'être auto-win. Et des cartes comme l'archer magique, ça peut clairement donner la victoire. Il nous fait quoi? Ok, un petit poison ici. Ok, un méga chevalier qui va tomber. Ça devrait nous mettre bien, ça, normalement, un méga chevalier. Ça va, ça va, ça va. Tout va bien. On va mettre un électro-sorcier pour aller défendre ce cochon. Ok. Je vais mettre une reine. Bon, on va mettre une reine, hein. Je pourrais déclencher le pouvoir juste après, je pense. Je le mets un poil trop tôt. Quoi? Oh non. Non, gros. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Merci beaucoup, RXGT. Merci beaucoup pour les 50 balles. Bonne chance, H. Merci à toi, frérot. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Merci du soutien. Pas besoin de défendre la voleuse, normalement, elle meurt. Quoi? Vas-y, mais j'en ai marre de ce jeu. C'est pas ma soirée, les gars. C'est pas ma soirée, en fait. Christian! Merci beaucoup. Oh, là, il a eu la tour du roi. Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup, Christian, pour le super chat. À quand le pack opening? Ah, attends deux secondes. Parce que je suis un peu... Ok. Ok. Là, il va forcément mettre les barbares, je pense. Ouais, ça sentait les barbares. On va aider. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est parti. Je pense qu'il a le méga chevalier en main. Voilà. Mais en vrai, tant mieux. Parce que du coup, nous, on a le sorcier derrière. Into P.K. Et là maintenant il a pas le... il va pas avoir de sort pour la reine des archers qui va arriver juste derrière. Capacité déclenchée. Oui monsieur.
Oui, monsieur ? Bélier, 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 bélier. Là, il a pas l'élixir, 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 il est en full galère, il est en full galère, mesdames et messieurs. Ça va être le monde fort, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. C'est gagné. Good game. Well played. C'est bon, on rattrape le coup, tout va bien. Merci beaucoup Christian, MDR, je me suis fait gronder. non, pardon, fallait juste que je me concentre dans ma game. Pack opening, quel pack opening frérot? Parce que pack opening, on en a fait. Hein. Pack opening, on a mis le pack opening des champions. On a fait un pack opening début de ce live, on en a fait des pack opening. Après, bon, éventuellement un deuxième, j'ai l'impression que ça vous tente. Melroy, merci beaucoup pour le super chat. Je vois que tu as ouvert ta marche du roi, j'ai hâte de voir la vidéo. Alors c'est, ça sera pas en vidéo. Ça sera pas en vidéo, je l'ai fait dans ce live en fait, je l'ai fait au début du live. Donc tu pourras voir la rediff si tu veux. Mais j'avais pas envie de faire une vidéo pour la marche du roi parce que je me suis dit que c'était un peu redondant avec le pack opening que j'avais fait déjà. Et je me suis dit que j'aurais pas grand chose. Du coup je l'ai fait en live et en fait en live avec vos réactions à vous, genre le faire ensemble, c'est vachement sympa. Du coup je regrette pas, c'était cool. Et je me dis que ça valait pas le coup de faire même un live. Après, il y a un monde où tu fais un live de 30 minutes. Hein. En vrai, il y avait un monde où je faisais un live de 30 minutes et juste j'ouvrais le truc. En vrai. Plutôt que de faire une vidéo, faire un petit truc en live, même très court, ça peut être cool. J'y penserai pour la prochaine fois. Ça peut être un truc sympa. J'y penserai. Parce que là, du coup, c'est caché dans un live rush. Mais bon, bref. Non, mais j'y pense. PS1, alors est-ce que tu pourras faire du troll 2v2? PS2, pourquoi tu stack les méga coffres? Parce que j'ai pas besoin des méga coffres, enfin maintenant j'en ai besoin, mais je les stack pour en faire un truc plus tard, je sais pas, une vidéo ou quoi que ce soit. Et en soi, je peux ouvrir d'autres coffres. Et le troll 2v2, c'est pas prévu. Ouh, on va s'en sortir, hein. Vous êtes trop en forme ce soir. Il y a trop de trucs à lire. Merci Travis! Salut, tes vidéos sont incroyables. Et tu es super bon comme commentateur, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup, merci et continue de ce que tu fais, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup Travis, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. On est reparti, mesdames et messieurs, dans la game. Dans les games, et j'ai raté mon poison, n'est-ce pas? Pourquoi ton compteur d'abonnés ne monte pas? C'est juste parce que c'est par milliers en fait. C'est YouTube qui s'est fait un kiff, ils se sont dit tiens, on va empêcher les gens. Oh non, du golem! On va empêcher les gens de montrer leurs abonnés. Ils veulent plus de compteurs à détail. J'ai peut-être une solution que je suis en train de voir, mais pour l'instant, c'est que par milliers. Du coup, il faut vous abonner par milliers, en fait, pour voir le compteur monter. En fait, il faut vous abonner par milliers. C'est la seule solution. Partie fantôme. Merci Mega Dono. Go les 7000 trophées. On y va. Là c'était l'échauffement là. Mais on y va. Attendez, parce qu'en vrai là on a une méga fenêtre là ou c'est moi? Regardez. Hop. Ça dash. Hop. Ça continue derrière. Il veut pas me laisser le truc. C'est pas grave. On va activer la tour du roi comme ça. C'est aussi une option. Parfait. Et on n'a pas pris de dommage sur la tour. Moi je dis parfait, tellement parfait que je pars PK fond de map. Ok, ça me va, honnêtement ça me va. Parce que là la contre-attaque qu'on va avoir elle va être monstrueuse. Momolem, merci beaucoup, les modos vous êtes des BG. Merci. T'es pas censé avoir tes popcorn toi? Qu'est-ce que tu fais là à faire des dons encore? Ok, je pense que je vais mettre la dose ici. C'était pas forcément... Si c'était pas mal en fait... Oh non, elle survit pas. J'ai trop le seum. Ah, j'ai mal joué. Et poison du coup peut-être un poil trop tôt. Ah, je pense que j'aurais pu mieux jouer ce move là. Je pense que il y avait mieux à faire. Ah, je peux pas aller chercher... Je peux pas aller chercher tout ça là. Il faut que je défende. Mais il m'a mis tarif en fait. Mais comment il m'a mis aussi cher? J'aurais dû partir des deux côtés en fait. J'aurais peut-être dû partir des deux côtés.
Vite, 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 le PK, le PK, le PK, le PK. Découpe, 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 découpe. Ok. 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 Je lâche rien, je lâche rien, je lâche rien. Je mets le PK super haut, comme ça il peut rien faire avec l'artificiaire. Non, par contre, tapez pas, les golemites. Mais gros, j'ai un PK sur le terrain, il fait quoi? Le mec il se prend des vacances, c'est pas le moment. Oh l'artificiaire. Oh l'artificiaire. Le poison. Oh le truc qui a pas connecté, y'a rien qui va bien. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Ah c'est dommage. On s'est fait gratter toute la game. Honnêtement, je crois que non, il y avait un moment où je pouvais passer. Il y avait un moment où j'étais quand même bien dans la game, j'avais une belle contre-attaque et j'ai dû mettre le poison trop tôt. J'avais dû forcer un peu trop, j'ai plus de thé. On passe à l'eau. Dommage, moins 32. Dommage, dommage. On a du mal à monter, hein. On a du mal à décoller. C'est vrai qu'il m'a eu... C'est pas évident son deck, finalement. Pas évident. 4-5. On a passé les 5000 pouces bleus. Merci à vous. Merci beaucoup. Un peu sur les doubles lignes. Ouais, faut que je fasse ça plus. En fait, quand je suis en galère... Mais après, là, je pouvais passer, je pense, quand même. Hein. Là, j'étais en train de la remonter. Je me suis juste loupé sur mon attaque. Merci, le Google de l'extrême. Merci beaucoup pour ton super chat. Mais ouais, non, non, vous avez raison. Faut que je pense plus aux deux lignes. Douskat foutu. Ah oui, là le Douskat, il est mal parti. Là, le Douskat, il est plus trop possible. Ok. Ok, ok. Est-ce que vous pensez qu'on peut partir bélier ici? Je pense que c'est pas mal. Et là, un petit poison histoire d'aller appuyer un petit peu tout ça. Oh, c'est parfait. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a des bons dommages. On a des bons dommages. Fantôme qu'on va faire partir sur le côté gauche. Je pense que ça passe. On va rester comme ça. Ah, il doit avoir le gang là déjà. Je crois qu'il a le gang. Ah, il a une Valkyrie. Ok, bonne info. Plutôt une bonne info. Est-ce que j'ai pas envie de faire ça comme ça? Je pense, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas opti là les plays que je suis en train de faire. Je vais faire disparaître ça, histoire d'avoir un peu de défense. Derrière, est-ce que je l'aurai quand elle va passer le pont? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un placement opti à faire pour que t'aies le pouvoir exactement quand elle passe ce pont, genre là. Et là, c'était un poil trop tard. Faut la mettre légèrement plus derrière, je pense. Oula. Ah, j'avais pas prévu les choses comme ça, là. Oh, j'avais pas prévu du tout le schmilblick comme ça, là. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, on va se reprendre un deuxième coup en plus. Aïe aïe aïe, c'est terrible. J'avais pas prévu le ballon. J'avais pas du tout prévu le ballon. Je vais devoir faire un truc comme ça. Oh là là, ça se passe mal du coup là. Ça se passe tout de suite beaucoup plus mal. Après, on peut construire un truc. Oh ouais, non, si ça va, ça va, ça va. Parce que ça. Mais là, mais gros, là, mais là. Ma reine, elle fait quoi? Elle tape sur des squelettes, gros. Ça, c'était sûr. Ça passe, ça passe, ça passe. Oh non, mais vas-y. Non, mais ça... C'est désolant. C'est désolant. J'ai du mal contre ballon.
Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est pas le deck, c'est moi qui ai du mal contre ballon. Je les vois pas venir, les ballons. À chaque fois, je me fais avoir contre ballon. Chaque rush que je fais, les ballons, ça me termine. Vous l'avez remarqué quand même. Merci petit lapin, c'est un réflexe du genre golem de forcer sur une seule ligne. Mais sur ce deck, c'est pas le cas, mais sinon tu gères GG. Merci beaucoup. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. Je joue souvent des decks golem ou même électro. J'ai joué beaucoup de dans mes rushs surtout. J'ai joué beaucoup d'électro, de golem et de golem élixir. C'est vrai. Et du coup, il y a moyen que ça soit un réflexe, ouais. Faudrait que je me concentre un peu plus pour vraiment push sur les deux lanes. Mais je me fais avoir aussi par les ballons, ça va pas m'aider ça. Hein. Ça va pas m'aider. Et surtout que j'ai pas non plus une défense hyper solide. Hein. J'ai ça et ça en défense aérienne. Non, pas hyper solide. Ça va, mais je veux dire, j'ai pas de truc radical qui peut repousser le ballon. J'ai pas de bâtiment, genre de truc. Merci Asqua. Je te kiffe BG, t'as pas un bon deck pour les 4002. J'ai pas. Je connais pas les méta aussi vaches, t'avoue. Là actuellement, je pourrais pas te dire. Oh non, j'ai mis la reine du mauvais côté. Le boulet. Ok, Goren des archers, parfait. Cette reine elle est sympa. Voleuse ici. Ça défendra l'esprit qui arrive derrière. C'est pas plus mal. Ok. Électro-sorcier. Bélé combat à gauche. Il doit avoir le bâtiment, il doit avoir la fournaise qui doit être revenue. Oh, il a un... Ok. Ça va être difficile de faire passer le bélier. On va devoir y aller en reine des archers en fait, hein, c'est la solution. J'avoue, je commence à me poser des questions. Est-ce que vraiment une reine des archers, c'est intéressant dans ce deck? Quand elle sera moins équilibrée, parce que là, elle est un petit peu trop forte. Est-ce que ça sera vraiment le meilleur truc dans ce deck? Parce que faut quand même admettre que l'archer magique dans ce deck-là, il est quand même très fort. C'est ce qui vraiment permet de faire des dommages, on l'a vu tout à l'heure. Mal timé le truc. Ça va, ça passe. Je vais faire ça, du coup, je vais vraiment mettre sur les deux lignes en même temps. Il y a une fournaise. Ça passe, voleuse qui va dash. Fantôme royal. Sinon, tu remplaces la voleuse par le chevalier d'or. Bah, je peux pas avec la reine. Ou alors, on arrête de jouer reine. Mais le principe, quand même, du live, c'était de rush avec la reine. Ok. Ah mais il va mettre le Béga Chevalier. Eh bah oui. Bien sûr. Faut pas que je force avec la reine. Faut vraiment pas que je force. Et je me suis loupé avec la voleuse. C'est pas bon du tout. Par contre là, je pense que j'ai une fenêtre. Ah mais il a le méga chevalier, il va l'avoir. Là il joue pas, il va avoir le méga chevalier. Exactement, il l'a eu. Ok. Pause. Ok. On est bon. Partir de l'autre côté, hein. La fameuse technique. C'est vrai qu'il faut que je... Ouais, c'est parfait. Ouais, mais vous avez raison. Hein. Faut vraiment que je me concentre et que je mette des troupes des deux côtés à la fois. Et là, si je mets le bélier à droite, ça va être relou pour lui parce qu'il veut défendre. Okay, il va falloir faire très très attention au prochain fût.
Comment est-ce qu'on la gagne? Avec un coup de PK, avec un coup de PK, avec un coup de PK. Gros. Oui monsieur. Let's go. Parfait, let's go. Totalement maîtrisé comme game. Totalement maîtrisé. Franchement, on n'a pas eu chaud, je trouve. On était bien, tout du long, on était solide, on était en forme. En forme, non mais large. Franchement, un peu trop facile d'ailleurs. Ça serait bien qu'on monte un peu en trophée parce que ça commence à être un petit peu long. Non mais vous, ouais, n'est-ce pas? Parfait. Les 6006, on va les repasser. On est contre Amin. Petit fantôme. Dempsey, merci beaucoup pour le super chat. Merci beaucoup. Et c'est pas moi qui gère tout ce qui est en rapport avec le clan. Ce n'est pas moi qui gère. Donc je t'invite à aller leur envoyer un message directement. Pékin en vrai, hein, parce que j'ai pas envie de sacrifier ma voleuse là-dessus. Voleuse qui peut faire un très bon taf là-dessus. Et en plus, je vais pouvoir mettre un poison très sympathique dès que la sorcière aura avancé. Voici. Pour le coup, le PK va aller tout droit. Voici. Et très bon zap également de ma part, ce qui va nous donner un coup de PK. On gère bien le début de game. Là, on va forcer un bâtiment au milieu. Ok. Je vais le titre, je pense à une série de victoires et je vais 4-6. Ah mais attendez, c'est un rush les gars, je suis pas devin moi. Moi je mets mes titres comme je peux hein. Voilà, c'est un peu relou, on va se prendre un coup. Le ballon, hein, c'est du ballon. Les ballons c'est vraiment, c'est le pire deck que je peux affronter. Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas contre le ballon. Je suis vraiment mauvais contre le ballon. Est-ce que du coup la strat c'est de partir dans le fond du terrain avec le PK? Ça avait l'air de bien marcher. Il va me faire avoir, il va forcément... Ok non, il s'installe à droite. Ok, je vais le laisser gratter, je m'en fiche un peu hein, honnêtement. Ok, peut-être pas complètement le laisser gratter. Ah. Pas le meilleur move. Effectivement. Je vais remettre l'invisibilité de la princesse, de la reine, bien sûr. On va bien déglinguer la tour là-dessus. On va prendre de l'avance des deux côtés. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Invisible! Invisible! Parfait! Perfect timing, gros! Là on est meilleur, là on est meilleur, là on joue bien la reine. Là on la joue bien. Est-ce que je vais pouvoir la remettre? Je vais pouvoir la remettre, l'invisibilité? Let's go l'invisibilité! Tu fais quoi maintenant gros? Ça avance, t'as plus de tour. T'as plus de tour gros. T'as plus de tour. Y'a plus. Alors c'est pas exactement prévu comme ça, mais vous avez compris, la reine des archers qui est juste là. Le pouvoir, la capacité. Et du côté gauche on va tanker le mini PK et c'est parfait, good game. C'est bon, on a battu le ballon. C'est bon, on a tout gagné en fait. On a tout gagné, on a juste tout gagné. Le ballon qui tombe, c'est très bon pour nous. Ça nous fait du coup 6600 qui sont repassés. Maintenant, faut monter. Hein. On est à 6-6. Ça y est, là, l'échauffement, il est un petit peu long, là, l'échauffement. Maintenant, il faut monter. En vrai, je suis content de la game. Là, franchement, elle était bien. On a bien utilisé la reine. C'était cool. Maintenant, il s'agit de monter en trophée. T'as vu le double line qui passe, du coup, GG à toi. Merci beaucoup, petit lapin. Ouais, ouais, non, mais vraiment, il faut que je le fasse plus. Je me suis un peu reposé sur mes acquis là au début du live. J'ai joué comme j'ai l'habitude de jouer sans trop réfléchir. Il faut vraiment que je pense à envoyer des troupes sur les deux tours. Là il s'est loupé avec la cage. On va partir en bélier direct. Bien sûr.
la capacité qu'on déclenche ici. Histoire d'aller fumer le gobelin. Oh, pas du tout, sur la tour. Ok. J'ai envie de faire un truc dans ce style. Et PK, non, par contre, PK va... Non, ok, on y va. Oh, mais Franco, on y va Franco. Voleuse en plus. Let's go. Sur la tour. Je fais passer le PK. Ce zap maléfique. Le zap d'une vie, gros. Le zap d'une vie. Ça, c'est beau. Et là, derrière, on a juste à déclencher la capacité. Pam, sur les roquets. Ça déglingue. Y'a plus rien. Il va rien faire. Là, maintenant, on a encore la capacité qui est de retour. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir envoyer la sauce. Il n'y a même plus de tour. Il a raté sa cage. Il n'y a plus de tour. La reine qui va taper sur tout le monde. Ouais, il peut dire GG. Hein. Il peut dire GG. Attendez, on peut faire un truc drôle. Et hop, la capacité. Il a abandonné. C'est pas drôle. Good game. Merci beaucoup, Mister. La reine qui est encore sur le terrain. Il y a le petit bruit de la capacité qui revient. Au secours. Merci beaucoup, Mister, pour le super chat. Je suis à 6000 en fin de saison, mais j'ai peur de combattre et de dérush des conseils. Est-ce que... Moi, j'ai un bon conseil. Est-ce que 6000, c'est ton record? Si t'as fait plus que 6000, tant que t'es pas à ton record, joue. Ok, tu feras peut-être une moins bonne fin de saison, mais en vrai, tu t'en fiches, globalement. Tente de monter. Si t'es à ton record et que tu veux avoir un petit truc sur ton profil de meilleure saison, à ce moment-là, je comprends que t'aies peur. Et à ce moment-là, attends la prochaine saison pour rusher. Tu l'as atomisé. Oh, je l'ai éclaté, ouais. Attends, on est en 7-6. Attendez, ça se fête. On est en positif. Ça se fête. Et en vrai, en termes de score, c'est pas fameux. Enfin, c'est pas fameux, c'est du 50%, quoi. Mais en vrai, je passe une pure soirée. Je suis à fond. Je perds, mais en vrai, je m'en fous. Je suis juste à fond dans mes games à chaque fois, c'est trop cool. Merci Mister, 6009 et oui c'est mon record. Bah en vrai, si t'as vraiment peur de relancer, en vrai il est tard et tout, tu vas t'en vouloir si tu perds. Donc en vrai, je pense reste comme ça pour la fin de saison. Et saison prochaine, par contre, tu tentes de foncer et tu tentes de battre ton record. Et là, tant que t'es pas à 6000, enfin les 6000 c'est un palier, saison prochaine tu pourras essayer. Mais les 6000, si tu veux garder tes 6000 et que t'es fier de toi, juste garde-les. En vrai, c'est ce que j'avais fait pour les 7000 par exemple. 7000 trophées, je voulais une fin de saison à 7000 trophées et tout, j'étais trop content, je me suis dit je vais pas risquer de les perdre. Donc je m'étais arrêté à 7000, d'où mon record à 7012. C'est parti, on dit bonne chance à Masque. On part en PK. Ok. Ok, du bon vieux Golem Elex. Que vous pensez qu'il y a moyen qu'on aille gérer ça? Alors le seul problème c'est que j'ai pas encore la reine qui pourrait faire un bon boulot. Par contre j'ai les dommages de zone du fantôme qui peuvent s'avérer utiles. Et je pense qu'on va faire un double push. Là on va partir à gauche. Là on va poison. Là on va voleuse. Là on va zap carrément pour faire vraiment passer le PK autant que possible. Voleuse qui va dasher du coup sur le côté gauche. Est-ce qu'on peut avoir de quoi? Un coup de PK. Le coup de PK qui passe à droite. Le deuxième qui passe à droite. Nickel. Parfait. On a pris une belle avance. On est très bien. Et bon, il a fallu beaucoup de temps de chauffe. Mais là on est chaud, non? Là on est bien. Ah, c'est vraiment la vieille version du Golem Elex. Je pense que je vais partir golem, bien sûr. PK fond de map. Je pense que c'est l'idée. Hein. On va un peu... Ouais, avec un poison ici, histoire d'aller finir la cage. Enfin, la cage, la cabane. Électro-sorcier est là. Il met à chaque fois un poison sur... Je suis pas fan, honnêtement. Là, on a la reine qui va être là.
pour aller accueillir tout le monde. Je vais mettre l'arène histoire d'aller vraiment canarder tout le monde. Là, un bon zap derrière pour temporiser un petit peu. Ok, ok, ok. Encore une fois, un poison qui part sur la tour. Voleuse qu'on va mettre à gauche. Je vais pas pouvoir sauver l'arène. Mais on peut mettre un PK qui va contre-attaquer derrière. Et ça, c'est pas mal. Oh là, j'ai mis un zap. C'est pas un zap que je voulais mettre. Excusez-moi. Pilier de combat à gauche. Pourquoi? Parce que je veux mettre la pression à droite. Du coup, je me bats. Ah, oh, il a abandonné. Très bien. J'avais pas capté. GG. Good game. Ça fait une 8ème victoire. Ça y est, on monte. Ça y est, ça monte. Et encore une fois, on a bien géré. La bonne contre-attaque au début, c'était nickel. C'est parce que je viens d'arriver, je te porte chance, je suis ton porte-bonheur. Merci Naito, bah reste s'il te plaît. Reste sur le live. Il se passe quoi si on a les trois champions dans le même deck? Il ne se passe rien, puisque tu ne peux pas. Tout simplement, regarde. Si je veux mettre ce champion-là, je peux pas. Je peux avoir qu'un seul champion par deck. Il veut pas. Il veut pas. Ça mérite mon like sur la vidéo. Ah, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Là, si par inadvertance, vous voulez faire péter le compteur à 6000 pouces bleus, je vous dirai rien. Je ne vous dirai rien. Après, ce soir, vous êtes petits joueurs, hein, parce que le dernier live, on a fait 10 000 pouces bleus en live. Hein. Je vous mets en compétition avec vous-même, tu sais. En vrai, oh non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Attention. On se croirait en 2016. Non, quand même pas, quand même pas, quand même pas. Arrêtez. Après, non, arrêtez. On repart. C'est parti, bonne chance. On fait quoi? On fait rien, on fait un truc. Rien des archers. On annonce. Mister, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le super chat. Je joue du molosse ballon et j'ai du mal. Bah écoute, essaye de voir si... Oh, on a passé les 35 000! Merci à tous! Merci beaucoup, bienvenue à tous les nouveaux. Merci à vous, installez-vous, merci beaucoup pour votre soutien. Je suis sûr que c'est mon gameplay incroyable hein, qui vous a convaincu. Oh, il y a une queen en face aussi! Il y a une queen en face! Et bah la queen parfaitement gérée. Et bah la queen elle fait quoi mon pote? Ouais si c'est pas mal, c'est pas mal. J'allais... C'est bon, c'est pas mal, il a raté son zap monsieur. Oh c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On va rentrer 12 milliards de dommages, regardez ça. Oh c'est de toute beauté. Alors molosse ballon du coup mister. Excuse-moi. Ouais non mais molosse ballon effectivement. Ah bah soit essaye de trouver un autre deck, soit persiste avec ton deck et vois si tu peux mieux le maîtriser du coup. Après, ça dépend évidemment de ton niveau de carte, que je ne connais point. On va mettre un électro-sorcier juste là. Bah oui, frérot. Non, mais c'est-à-dire que nous aussi, on joue archère. On joue reine. Oh, j'arrive pas. Pourquoi je l'appelle l'archère? Peut-être parce qu'elle a une arbalète dans la main. Peut-être. Juste peut-être. Hein. C'est une hypothèse qui me vient, mais enfin, j'en suis pas sûr. Je vais laisser le sorcier taper. Ou ne pas taper d'ailleurs, mais vive sa vie. Je vais pas mettre le PK. Et j'ai bien fait de ne pas mettre le PK tout de suite. Non, en vrai, le PK ça peut être utile pour défendre une reine des archers. Je me suis dit ça l'autre jour. Je me suis dit, un PK contre une reine des archers, c'est pas déconnant. Hein. Parce qu'une reine ça coûte 5, tu mets la capacité ça coûte 6. Ton PK il tank la reine, il la nettoie et il contre-attaque pour 1. Littéralement. Oh parfait, la reine qui carry, monsieur, elle survit derrière. C'est la tour qui tombe là-dessus. Incroyable. Parfaite maîtrise du jeu pour le joueur français. Avec la voleuse qui va mettre la pression de l'autre côté. En même temps, on a quasiment pas pris de dommages sur nos tours. C'est absolument parfait. En contre-attaque à droite.
Ce qui veut dire qu'il va mettre un méga chevalier qui n'aura pas le temps de contre-attaquer du côté droit. Et puis même si ça avait le temps, on a le PK qu'on va poser. Good game. Well played. Oh, il y avait un cimetière dans le deck. On avait le poison pour défendre. On était bon. On était bon. 9 victoires. Oula. Non, là. 9-6. On a passé les 6000. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah oui, vous m'explosez les compteurs là en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bien trop fort pour moi. Là ça va, on est dedans là. On fait des moves. Mais alors, vraiment, je pense que c'est la maîtrise de la reine qui change la donne. Hein, parce qu'on fait des très beaux moves avec la reine maintenant. Et aussi, maintenant, on attaque sur les deux lignes en même temps. Ce que j'ai pas bien fait au début. Craxor, merci beaucoup pour le super chat. Vous êtes déchaîné ce soir. Vous êtes à fond. J'adore. J'adore. Plus 29. Plus 29. 5 jokers. Ok, nickel. En vrai, je suis curieux. Est-ce que je peux afficher mon compteur d'abonnés? Ah, peut-être que je peux vous afficher mon compteur d'abonnés. Ça serait trop drôle, non? Si on faisait... je veux voir si ça marche toujours. À l'époque, en 2016-2017, si vous avez connu ça, quand le jeu était méga hype et tout, il y avait plein de monde, on faisait des raids sur les compteurs d'abonnés. On faisait des raids. Et donc, en fait, on affichait les compteurs d'abonnés. On affichait les compteurs d'abonnés et on faisait des méga raids pour essayer de faire monter le compteur de fou. Ça pourrait être drôle de faire ça, non? Genre on rush les 146 000. Je me demande si ça pourrait marcher, ça. Ça pourrait être drôle. J'ai envie d'essayer. Bon, d'abord je regagne parce que je veux 10 victoires. Et ensuite, on voit. Merci beaucoup, Mister. C'est parce que je suis là. Non, mais c'est parce que vous êtes là. Vous me soutenez. Ça me donne des ailes, vraiment. Vas-y, fais-le. On pourra le faire si ça vous tente. Il y a un bouliste en face. C'est pas une bonne nouvelle parce que je vais pas mettre la reine tout de suite. Mon sorcier va se faire découper. Reine des archers dans le fond du terrain. Ça me paraît pas mal, hein. Ah, je viens d'envoyer un bélier. Ouais, c'est... Je joue moins bien là tout d'un coup. Ça doit être du ballon, non? Vous en pensez quoi? Je vais activer le pouvoir de la reine pour déchirer la Valkyrie et le Zappy derrière. Comme ça, au moins, on a une reine en fin de vie qui peut toucher un petit peu la tour. Ou alors forcer une défense. Ok, bien joué de sa part. PK, je vais garder l'électro-sorcier vraiment. Et je vais garder la reine aussi pour le ballon qui va probablement arriver derrière. Il met un bouliste en face, ça m'arrange. Je vais essayer d'aller choper ça. Ok, parfait. Ça chope. Le zap qui vient porter main forte au... Ouais, parfait. Et là, je pense que je peux partir. Bélier ici. Voleuse là. Bélier qui fera pas grand chose, mais la voleuse qui va faire grand chose. Parfait, elle est sur la tour. Et là, par contre, je suis obligé de mettre une reine. Hein. À mon avis, le fantôme aurait pas suffi. À moins qu'il joue, il a pas sorti de ballon encore. Peut-être qu'il joue cimetière. S'il joue cimetière, ça m'arrange. Je vais mettre le fantôme à droite. Dès que je suis full, on n'oublie pas la capacité. Maintenant. Perfect timing sur la capacité, ce qui veut dire qu'on va totalement gérer le bouliste. Parfait. On part dans le fond du terrain parce qu'on a l'avantage. Il va être obligé de défendre le satané fantôme. Ouais. On peut partir avec un bélier de combat derrière. Je vais laisser le dragon taper à droite. Reine des archers ici. Poison là. On fait disparaître la reine. On va essayer de la faire déglinguer le... Ouais, parfait. Bélier de combat sur le côté gauche. Il a défendu à droite, mais est-ce qu'il peut défendre à gauche? Est-ce qu'il peut défendre à gauche? Et la réponse est non, mesdames et messieurs. On va rendre la reine invisible. Pas besoin. C'est tout simplement gagné. Good game. Well played. Ça fait la 10e victoire. Ça y est, on est parti. Là, ça y est, on est chaud. Ça nous a demandé un petit peu de temps pour se chauffer et maîtriser le deck. Et ça nous fait un 10 victoires, 6 défaites. Let's go. Plus 31. Antonin, merci beaucoup.
C'est la chaque subtitre ton livre ultime pour la reine. Je garde le livre ultime pour l'instant. Parce que je sais pas encore si je veux augmenter la reine ou alors le chevalier ou le roi squelette. Roi squelette un peu faible en ce moment, mais chevalier qui je pense peut être intéressant. Donc pour l'instant c'est que le début, je prends mon temps et je la garde au niveau 13. On verra plus tard si je l'augmente éventuellement. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez qu'on tente le rush là des 136 000 abonnés? On vient de passer les 135 000 donc ça serait vraiment énorme si on peut le faire d'un coup. Mais je suis curieux en vous affichant le compteur. Je suis curieux de voir si ça marche ou pas. Je suis curieux de voir si ça vous motive. S'il y en a parmi vous qui sont pas abonnés. Je dois pouvoir ajouter... Attendez, je dois pouvoir vous le montrer. Juste, laissez-moi 2 secondes. Là. Ah oui, d'accord. Hop. Attendez. Faut que je règle le truc. Hop. Quoi? Pourquoi je peux pas... Ah oui, je peux redimensionner. Ah mais je peux pas, faut... Attends. Ouais. Ok. Ouais. Hop. 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 Aha ! Là, on se débrouille, non ? C'est pas mal comme ça, non ? Vous en dites quoi ? Vous en dites quoi ? Est-ce qu'on le tente? Est-ce qu'on le tente? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ah, c'est quoi? En vrai, c'est sympa. J'avais oublié le compteur comme ça qui défile. C'est quand même sympa de voir les abonnés qui montent. Hein. Plus gros, s'il te plaît. Tu veux plus gros? T'inquiète. Je... Tiens, regarde. C'est bon là ou pas? C'est bon là ou pas? C'est plus gros, vous êtes sûr, hein? Oh non, mais non, partez pas, j'arrête, pardon, j'arrête. Pardon, je m'excuse, j'arrête, partez pas. Revenez. au secours, non, c'était une mauvaise idée en fait, vous allez utiliser ça pour me troller, ça me fatigue. Par contre, en vrai, c'est sympa là, genre là, c'est pas bien calé du tout, au secours. Bon, abonnez-vous, voilà, c'est fait pour ça, abonnez-vous, évidemment. Ah, il faudrait que j'arrive à le synchroniser quand même, à le mettre, ça serait quand même super sympa. On est à 6700 trophées, j'avais pas vu. Ah mais attendez, ça monte là en vrai. Zéro van. Yo, je viens de m'abonner, merci à toi. Bon, mesdames et messieurs, faites-moi monter le compteur là un petit peu pour la forme là quand même. 135 000, en vrai c'est totalement faisable. Vous êtes énormément sur le live. Vous apparemment vous aimez quand je dis n'importe quoi, donc merci à vous. Attendez, il y a peut-être moyen, attendez, on va faire ça. On va faire ça, oh, c'est magnifique. Regardez, on le met là. Hop, ni vu ni connu, on voit pas que c'est rafistolé en 2-2. C'est parfait, c'est pas... Mais attends, mais ça rentre bien en fait. C'est parfait, let's go. C'est parfait. Bon, ça se voit que c'est rafistolé. Les 300 qui sont passés, c'est parti. Je fais une game, je la gagne et on passe les 136 000. C'est le deal. C'est parti, bonne chance. Les recrues qui sont en face. Très bien. Du coup, par contre, j'ai mal passé ma fenêtre. Je vois plus le tchan avec les modos. C'est pas grave. Un poison ici, je pense. Ouais, j'aurais dû mettre une voleuse pour tanker. Mais c'est pas grave, on va essayer plutôt de limiter les dommages à gauche. Ok. On va faire un truc comme ça coûte extrêmement cher pour 5, mais on est pas bien. Parce que du coup, je suis distrait par ce truc-là. Je suis content de mon invention. Faudrait que je retravaille ça en haut. Ça serait sympa quand même de le voir tourner en live. Compteur, on pourrait presque croire qu'il est du décor. Ça serait beau, hein, en vrai. Oh, du coup, je me suis pas concentré. J'aurais pu avoir un truc à droite. Non, mais attendez. Non, mais... C'est de votre faute, là. C'est de votre faute. Je me concentre. Pardon, je la gagne. Focus, ouais, pardon. Je focus. Bah, en vrai, ça va être galère, hein. Comment je gagne ?
c'est pas un match-up pour moi ça, non? En vrai, j'ai l'impression qu'il est très bien au courant que c'est pas un match-up pour moi, le monsieur là en face. Il a l'air de se foutre un peu de ma gueule. Non, c'est moi ou... Un petit peu, non? Oh, et ça part de l'autre côté. On est dans une mouise intersidérale. Bon, on va devoir faire un petit truc à droite, là, je vous avoue. Hop, typiquement, parfait. Ok, let's go. Quelques coups sur la tour. C'est mieux. C'est pas encore incroyable, mais c'est mieux. Bélier. Il va mettre les recrues. À gauche, c'est pas de problème. Ok. Il y a eu un bug là ou c'est moi? Non, c'est bon. Fantôme ici. Mais pourquoi j'ai... Attends, mais j'ai complètement ignoré à gauche. À droite, je veux dire. Après, ça peut le faire avec la reine des archers qui canarde. Attends, wait. On la break. On la break. Je vous accorde que ça va être compliqué, mais... Ça va être très compliqué parce que... Oh, ouais, ouais, non, impossible. 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 On va essayer de sauver. Ah ouais, mais non, on pourra jamais sauver les deux tours. Mais à mon avis, on se fait prendre les deux tours même. Ouais, c'est fini. Good game. On s'est fait déchirer. Bon, j'étais pas concentré, mais à mon avis, ça aurait été dur de la gagner. Ça aurait été très très dur de la gagner. Merde, du coup, le truc est plus au bon endroit. Ok. Ah non, ça aurait été dur. Ça aurait été dur. En vrai, pas de regret. Je pense que même si j'avais été focus, trop dur. Trop trop dur. Avec les recrues, c'était un enfer. Bon, on est bientôt aux 7000 likes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Mister, d'ailleurs, pour le super chat. Si tu utilises ton livre sur la reine, t'as 300 euros. Non, 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 non. Les promesses de dons comme ça, ça marche pas, les gars. Faites gaffe à quand vous dites des trucs comme ça, parce que on attend. L'équipe de modération attend que les promesses soient respectées. Donc si je l'utilise et que tu les donnes pas, t'es ban. C'est la règle de la modération, hein, donc fais gaffe. 7K. Ah, 7K. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous aimez bien du coup le compteur comme ça ou pas? Ou on l'enlève? J'en sais rien, je teste des choses hein, de mon côté. On teste des choses. Hashtag, franchement, j'adore tes lives, c'est incroyable. Merci beaucoup, Dislane. Merci, merci beaucoup. Super, oui, nickel, il est bien, laisse-le. Ouais, vous aimez bien comme ça? On peut le laisser un. Bon, ça fait un peu rafistolé, donc en vrai, je sais pas si je le garderai tout le temps. Ça serait vraiment bien que j'arrange le truc. Quoique, c'est pas mal, hein, sur le fond, comme ça. Faudrait que j'arrange un truc, hein. Garde. On le garde, c'est chouette, il est bien. Vous aimez bien, hein. Mais il fait un peu rafistolé quoi, c'est un peu le problème. Ça fait vraiment le compteur qu'on mettait sur les lives en 2017. Tu sais le compteur où juste tu prends la fenêtre, tu le balances. Ça fait ça, ça ressemble vraiment à ça. Bon ça va, après on est à combien là dans la... Ça fait combien de temps qu'on est en live là? En vrai ça fait quoi? Ça fait quasiment 2 heures. Ouais, 2 heures de rediff. Là on est juste entre nous là, y a personne sur la rediff là qui regarde. Là, y a personne sur la rediff. Là, 2 heures de rediff, j'y crois pas. Non, non, j'y crois pas, y a personne. On est tranquille. La team rediff tient pas 2 heures. C'est pas possible. Ok, petit âge de voleuse à gauche. Perso, je serais capable. Mais non, mais non, mais non, ça c'est des mensonges ça. 2 heures sur une rediff? Non, non, non. Non, non, non. Il y a 100K sur les rediffs. Ouais, il y a 100K sur les rediffs, mais est-ce que les 100K regardent 2 heures de live? Non. Regarde 10 minutes, après ils se tirent. Je tiens large 2 heures, mais non, non, non. Bon, on verra, hein. Les gars, on verra. Revenez dans quelques temps sur ce live. Quand il aura été en rediff, on verra dans les commentaires s'il y a des... Parce qu'il y a forcément... Ça va énerver des teams rediff que j'ai dit ça. S'ils l'entendent. Il va y avoir une guerre dans les commentaires. Par contre, on n'est pas super super bien là, non? En vrai.
Oh, j'avais oublié qu'il avait les barbardés. Je suis pas concentré dans mes games, les gars. J'ai décroché là un peu. Cette histoire de compteur m'a fait décrocher. Et là, je vais être obligé de... Bah, j'étais obligé. Ok, on va avoir une voleuse. Bélier. Je vais mettre un max de pression, comme ça il est obligé de défendre. Ah la vache, mais il a encore un... Il a tout, hein. Il a absolument tout. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Oh, je pensais, bon, on est foutu. Je pensais pas qu'il allait partir barbarder de l'autre côté. Mais j'avoue, il a gardé son élixir. GG. Faut que je me concentre dans mes games là. J'ai un peu décroché. GG. J'ai décroché là. Je me remets dedans. Pardon. Je me remets dedans. Ok. Je me remets dedans. Gorgée d'eau pour se refocus. On est parti mesdames et messieurs contre Deadka. Là vraiment je suis dans mon match. Pardon, excusez-moi. Je fais deux petites défaites. Je me remets dans mon match. On va mettre un électro à gauche. Yo, je viens de ton live, je découvre les champions. Bah, bienvenue à toi, Terti. Installe-toi. Est-ce que c'est un peu risqué là, mais j'ai envie... Non. Ok. J'avais envie de partir avec... Je vais mettre ça derrière. Avec le PK, mais c'était quand même très très risqué. On va faire ça comme ça là pour essayer d'aller gérer les roquets rapidement. Ok, c'est pas mal. Le dernier coup d'électro qui nous sauve, nickel. Et l'arène, on va la laisser toute seule, comme une grande, avec la capacité, normalement, elle a moyen de faire bobo. Oh, ça gère quasiment des barbares, hein, quand même. Hein. Naruto, merci beaucoup. Est-ce que tu peux faire une laisser à la rediff? Faire une laisser la rediff? Est-ce que je peux faire une laisser la rediff? Ouais, oui. On prend la tour là-dessus. Quasiment. Ouais. PK retape. Il a retapé ou pas? Il a pas retapé cet escroc. Ça dégoûte. On a eu la tour. Attendez, je fais super gaffe à la défense parce que là ça peut aller vite. Ça serait bien qu'on ait. Non! Mais vas-y, non, franchement ça dégoûte. Non, franchement ça dégoûte, les gars, je donne tout. D'où le ballon tap. J'aurais pu mettre la capacité à gauche. Oh, j'aurais dû mettre la capacité à gauche. On n'est pas bien là. On est clairement pas bien. Je vais mettre un peu la pression là quand même. Il va pas avoir de quoi défendre normalement. Il a de quoi défendre. Oh, il est en arrière. Il est revenu en arrière. Ah, je suis deg. Good game. Je suis deg. Je suis vraiment deg parce que je pense que la défense qu'on a fait, elle était bonne. Je pensais pas que le ballon taperait. Ça s'est joué sur le coup de ballon. Hein. Il y aurait pas eu le coup de ballon. On avait gagné large. Je vous avoue que je suis un peu dégoûté sur cette game. Je suis un peu deg. Je pensais vraiment pas que le ballon allait taper à gauche. On avait la défense. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On est reparti. On est contre Kai. Bonne chance.
Alors je suis deg là, non, on a fait quelques défaites, un peu dommage. Parce qu'on joue pas trop mal, on était pas très concentré. Et là on a gagné à pas grand, on a perdu à pas grand chose. Les voleuses qui se courent après à droite. Ok. Électro-sorcier. Partir en bélier à gauche. Petit zap ici. Ok. Bon, c'est pas fameux pour l'instant, mais ça va. Je suis seul à pas trouver le bélier très très utile. Ouais, j'avoue, pour l'instant, le bélier a pas fait trop le taf. C'est un petit peu compliqué. Et en plus, il est niveau 13. Du coup, c'est encore plus compliqué. Et en vrai, je me demande, est-ce que... Ouais, après, le bélier, c'est quand même fort. Il y a l'option de mettre un cavabélier à la place. Mais du coup, je sais pas si ça ira bien avec... Oh, c'est parfait, 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 parfait. Bon, le PK va défendre, mais au moins, on lui met des bonnes tanasses. Je pense qu'un cavabélier irait pas dans le deck avec la... Avec la voleuse. On va mettre ça pour tanker, du coup. On va le mettre en défense. C'est pas trop mal. Ok. Ça part de l'autre côté. Mettre une voleuse ici. Tu devrais commencer par un bélier de combat. Ouais, tu penses? Je suis pas sûr. Hein. Oh, la voleuse à droite. Par contre, c'est parfait. Electro pour aller défendre ça ici. On va mettre un bélier de combat en plus sur le côté gauche. Allons-y. Bélier qui va aller tout droit, du coup. Et ça, c'est très bien. Poison un petit peu overkill. Depuis quand il a une... Ok. Il avait une reine. Oula. Ok, 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 ça va passer, ça va passer. Là. Pouvoir. Ouais. Let's go, 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 let's go. J'ai le zap au cas où, pas besoin de zap. C'est bon, ça passe. C'est bon, on l'avait en main cette game. 11-9. Plus 33. Tu devrais tester les tech ballons, ça marche assez bien. Ouais, non, mais je teste, hein. Moi je joue un peu tout, vous savez. Plus 33. Plus 33. On remonte un petit peu et on va enchaîner. Ah, il faut aller chercher. Hey, en vrai, au moins le top FR. Au moins le top FR. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Juste on se reconcentre et on repart. Ça va vite, hein. En vrai, sans trophée, c'est 3 victoires. Hein. Donc, pas exactement, mais... Pas loin. C'est mon premier live de toi. Bienvenue à toi. Profite du live. Là, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup, en vrai. On va juste gratter un coup, mais c'est déjà pas mal. Ok. On est très bien là, on a bien tenu. On va repartir derrière. C'est pas ça que je voulais mettre une voleuse au pont. Et l'électro à droite. Oh les problèmes, 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 oh les gros gros problèmes. Oh non. Ça a pas focus le bon en plus. Je suis obligé, sinon je vais perdre la tour.
Bon. On va repartir à gauche. Rip, ouais. Rip, j'avoue, rip. Là, c'est rip la tour. Hein. Là, c'est rip la tour, c'est rip le poison, c'est le pire truc. C'est-à-dire que c'est une chose de perdre une tour quand tu la laisses. Et perdre une tour quand tu essayes de la défendre, c'est le pire truc. Aïe, 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 je peux rien faire. Je peux mettre un zap ici, mais... On peut essayer de contre-attaquer, de faire un truc, mais... Est-ce qu'on aura vraiment le temps de prendre une tour? Oh, aïe, 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 aïe. Ah, oh, c'est terrible. Ah, oh, c'est terrible. Je sais pas ce que je peux faire là. Je sais pas ce que je peux faire. À moins qu'il fasse une erreur comme ça, par exemple, en essayant de trop forcer. Ça, c'est ce qui pourrait vraiment me sauver. Comme ça, je pars ici. Ouais, non, même pas. Hein. Il aura les barbares d'élite derrière. Good game. Dommage. Dommage, dommage. Bon, c'est raté. C'est raté pour cette game. On s'est déjà fait avoir tout à l'heure par Golem Barbare d'élite. Du coup, je me demande vraiment... soit je joue mal le match-up. Soit que c'est pas évident. Mais ouais. On perd souvent quand même contre les mêmes decks, je trouve. Je trouve. Ah voilà, bah, il était juste là, typiquement. C'était un petit peu compliqué. Même si là, la version qu'il avait, je pense que c'était prenable. Je te croyais fort. Frérot, je suis à 6600 quand même. Hein. Non, mais quand même. Ouais, c'est parti. On est contre Squeaky Grunt. Ah, d'ailleurs, je sais plus, Naruto, si je t'ai du coup répondu à ton faire laisser une rediff. Et la réponse, c'est il y a toujours les rediffs. À moins d'un gros problème technique, les rediffs sont toujours sur la chaîne. Donc il y aura la rediff, ne vous inquiétez pas. Oh non, il a un méga chevalier. Faudrait que je fasse ça comme ça. Ah, quoique, est-ce que c'était vraiment utile pour aller gérer les bats? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Pas sûr. Surtout contre son deck, j'aurais peut-être mieux fait de le garder. On va défendre ça comme on peut. Hein. Un petit peu à la mano. Ok. Je vais partir à gauche. On va partir à gauche. Reine des archers. Je vais la rendre invisible. Je vais tenter un peu des béliers aussi. Vu qu'il vient de claquer un petit peu. Ah ouais, mais c'est chaud. Parce que là, je peux faire ça. Et là, je fais ça. Mais bon, on n'a pas eu grand chose à gauche. Bélier qui va pas être hyper utile. Comment est-ce qu'on passe là-dessus? PK, je pense, hein, en vrai. Ça va être la strat PK. Il vient d'utiliser un, ok. Fantôme, vite, vite, vite. On va prendre très cher avec les gobelins à lance. On a pas mal de troupes qui arrivent derrière. Ouais, ouais, ouais. Quelques dégâts sur la tour. Ça, c'est très bien. Reine des archers juste derrière. On commence à mettre des dommages. C'est plutôt très bien. On va avoir un bon poison qui va partir. Poison qui est value. Ok. On a ça, tout va bien.
ça aussi ça va bien. Attention en haut, ça va dasher. Là, ça va dasher sur la tour directement. Très bien, on a un PK en plus qui va venir juste là se faufiler. Ok, nickel. Je suis pas sûr qu'il ait déjà le truc. Donc ouais, donc go. Il a pas, il va l'avoir, il va l'avoir. Non, c'est bon, c'est focus sur la tour. Ok, on a eu un coup sur la tour. Pas le droit de la perdre, celle-là. Pas le droit de la perdre. No right to lose. Ok. On va repartir avec l'arène des archers pour aller sniper différentes choses. J'ai zap un pour ici. Poison. 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 Je vais mettre la... Ok, j'ai. J'ai envie de crever. Je peux pas perdre comme ça, mec. Sur un timing de merde. Oh, je suis dégoûté, on avait la game. J'ai tout donné, on avait la game. Oh non, je suis dégoûté, on avait 200% la game. Oh non, je rate pas souvent les games à ce point-là. Sur les moments décisifs, ça m'arrive pas souvent de rater mes games comme ça. Je suis dégoûté. J'ai bien fait attention d'attendre à chaque fois en plus. Ah là là. Ah, je suis dégoûté. En vrai, je suis dégoûté parce que vraiment, cette game-là, c'était une victoire. On l'avait gagné, on avait fait tout le travail. On avait fait tout le travail. Pas de bol. Non, ouais, c'est pas de la chance, c'est moi qui ai merdé. Hein. Non, c'est mauvais. Le mauvais joueur, le joueur mauvais. Le joueur mauvais par excellence. Ah, dommage. Dommage. On va relancer. C'est parti. On monte tout court. Juste un fail. Ouais, mais un fail qui m'a coûté la game, quoi. Ça dégoûte. En vrai, je suis deg parce que j'avais vraiment la deg en... La deg. J'avais la deg en main. Je l'avais aussi, mais... J'avais vraiment la game en main, quoi. C'était dur et tout. J'ai rattrapé le truc et je me foire à la fin. Qu'est-ce qu'il nous fait le frérot là? C'est quoi ça? ZF, c'est quoi ça? C'est quoi cette armée? Ok. Pas trop envie de mettre un poison là-dessus, on va simplement laisser. On va mettre des dommages des deux côtés. C'est nickel. Bien joué. On va peut-être se prendre un petit coup sur la tour, mais en vrai ça devrait aller. Oh, ça met 1300 en ballon 14, la vache. Let's go. Ah, Fripon, c'est pas mal en défense en vrai. Ça défend quand même très bien la... Enfin, la reine qui fait quand même le taf. Ah ouais, par contre, un peu hâtif là-dessus. On a quand même le sorcier qui va faire le boulot. Il va pas survivre derrière. C'est pas grave, on a mis une petite pression. On va avoir un fantôme là-dessus. Donc, he's ok. On va se reprendre un coup, hein. Ah la vache.
On va quand même se prendre un coup. C'est du méga chevalier. Je m'attendais pas au méga chevalier, je vous avoue. Ok. Par contre, non mais attends, t'es sérieux par contre? Mais d'où ça tape? J'ai toutes les troupes sur le terrain pour défendre. Non par contre, là ça dégoûte. Là par contre, c'est un enfer. J'ai un squelette, regardez le squelette qui m'embête ici. C'est bon, on va prendre la tour. On prend la tour là-dessus. On prend la tour là-dessus, c'est ok. Il va devoir utiliser un sort en haut. De toute façon, on va mettre un PK. Ah, il aura pas le temps? Non, ah si, avec le... Non, il aura pas le temps. Hey, let's go. Let's go. Ça c'est fait, good game. C'est bon, on n'a pas eu besoin de partir en deux couronnes. J'ai eu chaud quand même, hein, parce que la foreuse a mis des coups. C'est bon, c'est gagné. Tout va bien, plus 29. On enchaîne. J'enchaîne les wins. J'enchaîne les wins. Good luck. Bonne chance. Ok, Reine des Archers dans le fond du terrain. Tu vas faire le défi Reine des Archers en live. En vrai, ouais, je pense. Mais je pense pas que ça soit sur YouTube. Je vais faire un... Je vais mettre la capacité. Je pense que j'en ferai un live Twitch. Parce que c'est un petit défi et tout. C'est pas forcément hyper... hyper passionnant pour un live YouTube. Et ben on va remettre la capacité là. Parce qu'il faut que ça canarde, hein. Et ben on a pris cher. Let's go. C'est marrant, j'arrive pas trop. D'habitude, contre les decks golems, ça va. Ce deck PK. Oh, il a déjà une armée. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars devant? Oui, non, vas-y. Attends, quoi? Attendez, on joue au même jeu là? C'est la même game là? Ah, Dead K, je viens de t'affronter. GG et good luck. Je sais plus, j'ai gagné ou pas? Je perds beaucoup là en ce moment, Dead K, je t'avoue. Si j'ai gagné, ça m'a fait du bien. Si j'ai perdu, bien joué. Oh oui, le PK! Parfait. Je vais mettre une reine des archers ici, elle attaquera de l'autre côté. What the fuck son deck? Ah ouais, non mais là c'est du grand n'importe quoi là, on est sur du grand art niveau deck. Mais tant mieux, ça nous arrange. Invisible. Nope. Quoi? Oh non, vas-y, ça dégoûte. Non gros, non gros, non gros, non gros, non gros, 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 oh. Oh. C'est quoi cette game? C'est n'importe quoi là, oh. On essaye de faire un truc quand même. J'active la capacité pour essayer de faire passer des troupes. On va remettre un PK dans le fond du terrain. Et le poison défensif. Oh non, mon dieu, pas ça. Oh, pas ça, pas comme ça. Non, 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 il va pas clone, il a clone. J'ai envie d'arrêter ce jeu. J'arrête. J'arrête Clash Royale. J'arrête Clash Royale. Juste, j'arrête Clash Royale. Je sais pas si on peut continuer le live, les gars. Je viens de perdre contre un golem GR clonage. Je viens de perdre contre un GR golem clonage. Je répète, hein, je viens de perdre contre un golem GR clonage.
Je pense que c'est fini pour moi. Je pense qu'il faut que j'arrête ma carrière de youtubeur. On va faire une dernière game histoire de profiter de la fin, quoi. Mais je pense que là, voilà, je pense qu'à un moment, faut savoir s'arrêter. Je pense que demain, je vais sortir une vidéo j'arrête YouTube. Et puis voilà. Hein, je pense. Pardon, je vais tousser. Excusez-moi. Je pense qu'il faut que. Tu vois, je m'en étouffe. Ça me passe que ça me fait mal. Je suis ému en fait. Je suis ému. Oh, c'est encore un golem. Oh non, c'est vraiment encore un. Oh non, il a. Ouais. C'est le golem, c'est. Il y a du. S'il te plaît, finis là. Non, fini. Ok. C'est du golem barbare d'élite. Il y a des barbares. Il y a des barbares. Là, ça va, il va. Ah, j'ai activé la capacité pour rien. Oh, c'est mauvais. La drama queen. un peu, j'avoue. Un peu. Après, j'ai sincèrement le seum. Hein. Ça, c'est pas du jeu d'actine. C'est un vrai seum. Authentique. Fraîchement pêché. Nombre de golems, c'est hallucinant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y a pas mal de golems ce soir. Ok. J'ai mis un zap. Faut se souvenir qu'il a l'armée et donc que je n'ai plus rien pour aller la chercher, cette armée. Donc pas de bélier, typiquement. Mauvaise idée. On va mettre le PK en défense. J'ai pas activé la capacité à gauche, j'avoue. Je vais mettre un photon plutôt pour défendre ici. Je vais garder mon zap pour la main. Oula. Pour le prochain cycle. Je tente un bélier devant. Tentons des choses. Poison ici. Ok. Donc là, non seulement on va pouvoir mettre la capacité, mais il va probablement vouloir défendre avec une armée qu'on va pouvoir zap. Fresh shot. Lourd. Très lourd. Très très lourd. Ok. Là, il y a un choix à faire. Ok, j'aurai pas le temps de. Ok. Oh non, je suis obligé. Non, mais c'est mort. Non mais c'est mort. J'avais besoin du zap en défense, je pouvais pas finir la tour. Aïe aïe aïe. Enfin, j'avais besoin du poison en défense, du coup je pouvais pas finir la tour de gauche. C'était perdu quoi qu'il arrive. Le zap, en vrai c'est le zap, bah du coup j'ai perdu à cause du zap pré-shot que j'ai fait. J'ai perdu à cause du pré-shot, putain. Fais chier, j'essaye de faire un bon move. Je me prends le karma derrière. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah là c'est terrible. Oh non, on ne peut pas être en négatif. Je refuse. Paul, je suis désolé, j'ai besoin de cette win. Merci Mister pour le super chat. Merci beaucoup. Ok. C'est un molosse, on va mettre la pression direct à droite. Il y a encore de l'armée, mais décidément il n'y a que ça, c'est pas possible. Il n'y a que de l'armée squelette partout, vraiment, toutes les games qu'on fait. Ok, là on prend un petit peu cher. Ce serait bien de sauver la tour quand même, si possible. Je vais mettre un poison ici. Ok. Si je rends ça, c'est pas mal. Oh, on perd la tour. Ah, oh, ça dégoûte. Quand même essayer de contre-attaquer. Si je mets une voleuse devant, le temps d'avoir la capacité de l'arène. Go, 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 go. Go, 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 go. Oui. Parfait, perfect timing. Perfect timing, on va déchirer la tour. C'est parfait. Et derrière, l'armée squelette sera pas un danger. On est bon.
Let's go. Vous savez, c'est la règle. C'est la règle. Le mec met un molos, vous partez PK au pont. Il a pas d'armée, hein, évidemment. Ça va le faire. Oh, j'aurais pu mettre un zap. Ou j'aurais pu mettre un zap. Sauf que là, il va mettre une armée, en fait. Là, c'est sûr. La question, c'est où. Il met pas d'armée. Ça va connecter. Ok, ok, ok. Poison qui va partir ici. Tant qu'on perd pas la tour du roi, on est bon. Le plus important, c'est la tour du roi à garder en vie. Il a plus l'armée, on part en voleuse. Ok. Électro-sorcier ici qui va pouvoir contre-attaquer. On est très bien, hein, je vais pas vous mentir. J'utilise la capacité maintenant, je pourrais l'utiliser après, éventuellement. La réactiver derrière. Bélier de combat qui va partir de l'autre côté. Toujours le zap qu'on prépare au cas où il y ait par exemple ça. Hop. Bélier qui va passer. Et c'est terminé, good game. On est bon, faut bourrer contre les molos. C'est la stratégie 13-13. C'est le hashtag, alors ça monte. Bah comme tu peux le voir, pas du tout. On dérush pas. Mais le rush est inexistant. Parce qu'on est, on est à peu près exactement là. Oh, on a même pas. Non mais genre, on a carrément perdu les trophées. Scandaleux. Scandaleux. Chaud le ratio de ce soir. Non, pas chaud, c'est pas un des rushs, donc ça va. En vrai, c'est normal. Sur les rushs de fin de saison, à moins d'être vraiment bas quand tu commences, c'est pas ça aurait été bien qu'on monte, donc le ratio aurait dû être positif, bien sûr, mais bon, ça va. À 6600, à 50-50, juste que t'arrives pas trop à monter, ça me choque pas, perso. T'as l'air d'être saoulé. Non, je suis pas saoulé. Sérieux, j'ai l'air d'être saoulé? Vous trouvez que j'ai l'air saoulé? Non, c'est, en vrai, c'est juste peut-être que je fatigue un peu, je vous avoue, parce que j'en suis à peu près à 5h30 de live aujourd'hui. Donc, et j'ai aussi carburé 6h de live hier, etc. Et j'ai carburé aussi avec tout ce qui s'est passé dans la semaine, donc bref. Donc c'est peut-être que je fatigue un peu, mais bon. Pas saoulé en tout cas, non, non. Pas du tout. Merci Mister, merci beaucoup pour le super chat. J'avais annoncé 12-4, c'est presque ça. Presque. Presque, presque. Ah, c'est pas grand chose. Oui, t'as l'air fatigué. Ah ouais? Ah, pour que vous me disiez. Pour que vraiment vous me disiez que j'ai l'air fatigué. C'est que je dois être sacrément crevé. Tant pis, j'ai fait sauter sur la tour. Hein. Mais il faut que j'aille le gérer vite. Comment on a perdu la tour là aussi vite? Dans quel monde on perd la tour aussi vite? Est-ce que tu vas live sur Twitch après? Alors du coup, d'après ce que je viens de dire, non, la réponse est non. Bon. On arrive à rentrer quelques dommages à droite, c'est pas trop mal. Et on va avoir un PK juste ici. Mais il joue cochon, mais comment on a perdu une game aussitôt, une tour aussitôt? Mais pourquoi il joue cochon avec une sorcière? Mais c'est quoi ce deck? Qu'est-ce qui se passe? Par à gauche. Ok. Ça va connecter. Rien pour défendre a priori. Bon, il galère sur le PK, donc on va essayer d'en profiter. Ok, Reine des Archers juste là. On va mettre un poison ici. Va falloir mettre la pression à gauche, hein, parce que clairement, il faut trouver des solutions très vite. Mais je joue méga chevalier aussi. Ah ouais, non mais c'est quoi ce deck encore? Il reste 40 secondes, donc je suis un peu dans la mouise du coup. N'est-ce pas? Parce que là, il faut trouver un moyen d'aller sur les tours. Je peux pas aller chercher là. Par contre, je vais pouvoir remettre la capacité. Je vais pas pouvoir remettre la capacité. On va pouvoir mettre un poison ici.
Ouais. Et il faudrait que... J'arrive à faire passer tout ça. Pas besoin. Il faut le poison. Il est où mon poison? Non gros, pas comme ça, s'il te plaît. Pas comme ça. Je sais pas comment on a perdu cette game. Je sais pas comment on a perdu la tour. On l'a déchiré après. Dommage. J'ai pas compris comment on l'a perdu. Donc peut-être effectivement que je fatigue un peu. Mais je veux pas terminer en négatif. Je ne veux pas terminer en négatif. T'as mal joué. Ouais, j'ai dû faire une erreur au début, ouais. J'ai fait une erreur. De toute façon, 100% pour perdre une tour comme ça et le défoncer autant après, c'est que vraiment, j'ai fait une erreur au début. Bon. On repasse en positif. Obligatoirement. C'est parti. Bonne chance. Joue 2.6. Je vais certainement pas jouer 2.6 maintenant, frérot. Déjà parce que c'est pas le thème du live. En plus parce que c'est un deck dur à jouer et que je veux repasser en positif. J'ai vraiment... vraiment le 2.6, c'est le dernier deck que je vais prendre. Ah bah tiens, en parlant de 2.6, il est là. Il est en face. Poison ici en vrai, hein. Let's go hein. Petit coup sur la tour. Parfait. Ok. Bon, on va voir un cochon effectivement à gauche. J'ai bien sûr pas la défense. Donc on va prendre 3 coups. Un premier coup. Un deuxième coup. Un troisième coup. Faut que je garde... C'est quoi, j'ai le PK surtout à garder en main. Pas que je joue n'importe comment. Faut que je tienne de toute façon les deux premières minutes, ensuite on pourra faire quelque chose. Mais là pour l'instant il faut que je tienne. Rien des archers. Est-ce qu'il boule de feu? Je suis pas sûr, ça lui coûte très cher je pense de boule de feu. Après je peux partir PK à gauche en vrai. Faut que je garde soit le PK soit l'électro. Je vais partir PK à gauche. Ok, c'est bien joué. Rien des archers qui fait le boulot. Il galère, on va utiliser un max l'arène des archers et toujours garder une défense en main. Ça va être la stratégie. Bélier. Let's go. Poison ici. Let's go. Voleuse. Let's go. Le zap, on le garde en main. Éventuellement. La voleuse. Mais d'où? Ok. On a fait quelques dommages, c'est pas trop mal. Un des archers qui va partir ici, toujours le PK à droite, on va pas en faire grand chose. PK ici du coup, non. Invisible, je veux qu'elle survive. Ok, elle va survivre. C'est une très bonne chose. Fantôme à droite. Bélier ici. Il a utilisé la boule de feu. Voleuse là. Allez, let's go. On va forcer. Poison là. S'il met une vol aussi, ok. Ouais, il a mis une bonne boule de feu, la vache. Ok. Tout va bien pour le moment. PK qui va encore partir ici. Un premier coup. Et c'est tout, ok. Il a réussi à faire passer ses troupes jusqu'à la tour, c'est bien joué. En vrai, il va pouvoir commencer à cycler les boules de feu. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Pas un bon move de sa part ça. Capacité que j'aurais pas à temps malheureusement. PK à droite. Coup de PK à droite. Il fait quoi? Oh, il a déjà cyclé! Oh, dommage. Good game. Aïe. Oh, c'est le dérush là. Oh non, on peut pas terminer sur un dérush. Oh, il a cyclé en 2 secondes sa boule de feu. Je suis dégoûté, ça aurait pu passer.
J'ai repris ton deck, j'ai mis bûcheron à la place du fantôme, chevaucheur à la place du bélier. Et tester à la place de la reine. Après tu peux. Oula, après tu peux la caler si tu dois la jeter durant le live. Non mais après vous faites les modifs que vous voulez, hein, clairement. Ça c'est vraiment la version classique du deck. Hein. Donc, y a pas de problème avec le deck, ça c'est sûr et certain. T'as bien joué en vrai. Ouais, je reste certainement plus. De toute façon, je vous dis, là je commence un peu à fatiguer, je pense que ça se sent. J'étais en forme au début du live. Là je pense que je commence à fatiguer un peu. J'aimerais juste repasser en positif quand même. Mais ouais, non, je dois faire des petites erreurs. Faut que je me concentre un petit peu là pour un peu mieux jouer. C'est de la merde le 2.6, c'est horrible. C'est horrible, mais en vrai, suffit qu'il y ait un cochon qui passe, le mec te cycle boule de feu et il y a des match-up, tu peux rien faire, hein, vraiment. Merci pour les 8000 pouces bleus d'ailleurs. On vient de les passer, merci beaucoup. Vas-y, rien des archers dans ton uterin. Merci Mister pour le super chat. Bonne nuit et bonne chance, c'est bon. Oula, bonne nuit, bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. On va en avoir besoin. Je refuse de partir de ce live tant que je ne suis pas en positif. J'aurais pu rendre invisible. Ah, et le poison qui touche pas. Petite voleuse ici. Ça va. C'est pas une grosse erreur. Tout va bien. Ok. Je sais pas comment. Est-ce que je mets un bélier? Est-ce qu'il a un. Attendez. Clac. Est-ce qu'il a une armée? J'allais dire, il a une armée comme tout le monde. Bien vu. Bien vu, chef. J'ai envie de mettre une reine. Est-ce que ça marche contre une horde? Attendez, je teste. Ah ouais, pas fou. Ah ouais, pas la meilleure. C'est pas le meilleur truc. On a des coups à gauche, c'est pas mal. On met le pouvoir. Ça déglingue. Parfait. Et on va avoir quelques coups sur la tour. Il met un zap, c'est un peu forcé. Let's go. Est-ce qu'il a entre eux qui doit avoir l'armée, je pense? Non, il a. Ok, pas. Bon, heureusement que j'ai pas mis le truc encore. Parfait. Par contre, là, j'ai envie de mettre le bélier devant. Ok, pas du tout. Je vais mettre le bélier à droite. Et le poison ici. Oh! Oh! Incroyable! Zap ici, du coup. Let's go. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Je vais pas mettre le PK. Tant qu'il a pas mis... Tant qu'il a pas mis le géant, je ne mettrai pas le PK du tout. Aucun débat là-dessus. Ok, bien joué. Je vais essayer d'aller gérer ça. On va activer la capacité de la reine pour aller gérer le zappy. Parfait. Retaper sur la tour. Voleuse à gauche. Il va paniquer. Là, bam. Clac. Boum. Clac, poison. Et on pourra finir au sort juste après. Nickel, c'est géré. C'est géré. Bon, il le sait, hein, je le sais, il le sait, nous le savons. Vous le savez. Good game. C'est bon. Première victoire. C'est validé. Plus 28. Tu peux pas nous laisser sur un. Oula, tu peux pas nous laisser sur un 6600 trophées. Rush les 7000. Oula, ouais. T'es sûr que tu veux que je rush les 6000. J'arrive plus. Est-ce que tu penses actuellement que je suis en état? Là, je pense vraiment. Vous savez, il y a un point de fatigue. C'est le point de non-retour. Tu sais que tu vas pas en revenir. Tu le sais. Tu sais que c'est foutu. Je pense, mesdames et messieurs, que j'ai atteint ce point. Voilà. Je pense que j'ai atteint ce point. J'ai grave carburé ces derniers jours. Et je suis content de ce que j'ai fait. Je pense que vous avez kiffé aussi. J'ai l'impression que vous avez kiffé. Vu le monde qu'il y a sur les vidéos, sur les lives et tout ça. Je pense que là, je suis séché pour la semaine. Et il va falloir que je rende l'antenne bientôt.
Mais bien sûr, attendez, je fais ça. Quoi? Mais pourquoi elle a pas disparu? Gros, c'est quoi ce truc? Mais elle a mis 3 ans à se mettre la capacité ou c'est moi là-haut? Ok, bon, c'est l'Arc-X, ok. Bon. Comment on fait? On part à droite avec le fantôme? Ouais, ouais, ouais. L'arène a bug. Bah, j'ai pas compris ce qui s'est passé, les gars. Vraiment, genre, je me suis dit, elle va se mettre invisible? Ou alors elle s'est mise invisible et l'Arc-X a continué de taper dessus, j'ai pas compris. Ok, ça c'est très bien par contre, le fait que la Valkyrie soit partie de l'autre côté. Là je mets un zap, évidemment. Faudra juste un truc pour la Valkyrie quand même à droite, parce que sinon elle va mettre tarif. Et tarif elle mettra... Oh par contre, oh j'ai fait un truc, oh le move. Vous avez vu ce que je viens de faire? Incroyable. Phénoménal. J'aurais peut-être pu mettre un truc à gauche pour l'archère. C'est pas grave. Bon bah on va continuer de tempo, hein. Tout va bien. Tout va pas super bien mais on peut la gagner. Fantôme ici. Bon, il suffisait de partir à droite. Ok, il a mis une boule de feu un peu en trop. Là, je vous donne le schéma du braquage. Il va partir Arc-X. On va tanker PK. Il va oublier l'arène des archers à droite. Oh, il est pas en train d'oublier là. Il est pas du tout en train d'oublier. Mais what? Attendez, ça va passer là. Ça va passer là. Ça va méga passer là. Ça passe tous les jours là en fait. Ça passe tous les jours là en fait. Gros. Ça passe tous les jours là en fait, gros. Ça passe tous les jours en fait, gros. C'est totalement gagné. Est-ce que vous avez douté de moi? Pas une seule seconde. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Eh ben, ce braquage. Après, il avait un deck chelou et vous avez vu, il a un peu 300, il a un peu paniqué de son côté. Moi, j'en ai profité. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur, clairement. T'as de la chance, tu joues mal à chaque, tu stresses. Je stresse pas du tout. Hein. Je vous ai dit, je suis juste un peu. C'est juste la fin de journée là. En vrai, là, mais là, je sens, ça s'entend un peu. Je trouve à mon énergie, je commente moins et tout. Là, je commence un petit peu à fatiguer sur cette fin de live. Ça s'entend, j'admets. Ça s'entend, oui, un petit peu fatigué. Je m'excuse auprès de vous de vous offrir ce piètre spectacle que la fatigue m'incube. Ça se dit ou Mesdames et messieurs, là, il nous faut une dernière game pour déjà passer en positif et dire qu'on a gagné des trophées sur ce live. C'est quand même très important de pouvoir partir de ce live en disant « Nous avons rushé et on est en positif », c'est très important. Donc, positive attitude, positive result... And positive mindset. C'est parti. Hashtag si défense Mohamed Knight. Ah, quand je suis en forme, oui, bien sûr, évidemment. Quand je suis en forme, je suis le meilleur joueur du monde. Quand je suis fatigué, je suis un joueur arène 4. Voilà, c'est comme ça. Juste sur tablette ou tel, je joue sur un iPad, rien, juste là. Habituellement, je joue sur mon téléphone. Mais pour les lives, je joue sur tablette. On a réussi à défendre, je sais pas trop comment. On n'est pas trop en retard niveau point de vie, je sais pas comment non plus. On met la pression à droite.
Ça, je sais. Oh! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Salut, toi. Salut. Oula, 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 il s'est un petit peu fait déchirer. Tranquille, on l'a mis, on l'a mis. Ouais, mais non, tu vois, ouais, bah ouais, ouais, tu te prends tarif, hein, bien sûr. On va Belly à gauche. Et il va oublier la. Regardez, il oublie, il oublie, il oublie, il oublie, il oublie, il oublie, il oublie. Et hop, l'invisibilité. Poum, poum. Et directement sur la tour. Parfait, on aura un coup, on aura deux coups. Je pense pas que ça vaille le coup de mettre un électro. Je me suis tâté, je pense pas, honnêtement. Mieux vaut prendre les dommages, c'est pas très grave. On a un chevalier, encore une fois, qui arrive en face. On a le PK pour défendre si on en a besoin, donc tout va bien. Oula. 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 Ça met un peu cher. Ça met un petit peu trop cher à mon goût. Mais on a une contre-attaque avec déjà une voleuse à droite. Et à gauche, c'est pas mal. On va mettre un bélier de combat. Ok, c'est parfait. Parce que là, du coup, il va pas. Il s'est loupé, 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 il s'est loupé. Il s'est loupé. Bélier qui va passer tout droit. Le PK sur tour. Reine des archers corner. J'avais jamais pensé. On peut faire une reine des archers corner avec en plus un. Ok. Oh putain, oh, j'avais pas vu le PK. Ok, on a perdu la tour. Mais on a encore des coups. Reine des archers OP. Regardez, regardez. Non, la voleuse qui s'est retournée. Dommage. PK. Allez, 3 couronnes s'il vous plaît. 3 couronnes, 3 couronnes. Le 3 couronnes. Oui, le dage de la voleuse. Oui, monsieur. Oui, monsieur. 3 couronnes. Je m'étouffe. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Je m'étouffe de joie. J'y croyais pas. Regardez, j'ai les larmes aux yeux. J'en ai les larmes aux yeux. J'en ai les là. je suis HS les gars. Ça y est, j'ai épuisé mon quota d'énergie pour la journée. Merci à vous. Merci à vous de votre soutien devant plus de 4000 viewers. Merci beaucoup. On est en positif, ça y est. C'est fait. Est-ce que pour célébrer ce positif et ce rush de trophées également, est-ce qu'on passerait pas les 36 000 abonnés? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont encore pas abonnés? Ça serait vraiment sympa pour finir ce live. Si vous avez aimé, bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça serait très très cool. Mais je pense que là, il faut couper. J'ai tout donné. J'ai tout donné cette semaine. J'ai vraiment tout donné pour faire un max de vidéos, de live. Il y a eu plein de choses dernièrement, la CRL aussi. Il y a eu pas mal de TikTok. J'ai fait pas mal de trucs comme ça aussi. Donc je me suis vraiment vraiment donné cette semaine, ça a été une grosse semaine de boulot pour moi. On termine sur un rush de trophées, du coup techniquement un rush. Ah ça y est, regardez, ça monte, ah, c'est beau quand ça monte, c'est magnifique quand ça monte, incroyable. On termine sur un rush du coup qui était très sympa. En vrai, sérieusement, le live était super sympa, j'ai surkiffé ce live, je me suis éclaté. Vraiment, le début était trop trop bien. Même les premières games, même si on a dès le début en fait on n'a pas trop rushé, mais même les premières games, franchement, je les ai kiffées, je perdais un peu, mais c'était vraiment sympa. Genre, il y avait une bonne ambiance, j'étais à fond, juste un peu fatigué sur la fin, et c'est pour ça qu'il faut savoir s'arrêter. Tant pis, on fera les 7000 le mois prochain, hein. Ça va être l'idée. Incroyable live, merci beaucoup. Oh, c'est en train de monter, plus de 150 personnes, et on sera bon. Et ouais, je vais voir pour le titre du coup, si vous voyez le titre du live changer, titre actuellement, pour ceux qui sont sur la rediff, le titre c'est record de trophées, avec un deck Reine des Archers. Je sais pas si je vais laisser le titre, parce que du coup on a quand même pas beaucoup décollé, mais en même temps je peux pas mettre un titre qui parle de 6600, parce que sinon les mecs seront spoil au début du live, puisque au début du live je dis l'objectif c'est de rusher 7000. Faut que je fasse gaffe au titre que je mets, et je veux pas être putaclic, mais je veux pas spoiler non plus. Donc il va falloir que je trouve un truc intelligent là. J'ai ça, mais je viens de voir que t'étais en live. Bah t'as la rediff si tu veux, mais effectivement du coup je ça sera fini ici. 100 personnes, mesdames et messieurs, 115. Très précisément, on peut le faire. Non, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment sur le live. Vraiment, je trouve que franchement le live était super agréable, on a eu des bonnes games. Je vais arrêter l'enregistrement ici aussi pour l'envoyer au monteur TikTok juste après.
Retoussant 100K. Bah là, retoussant 100K, là, c'est en cours, regardez. Ah, mais du coup, on a passé le tiers. Le tiers, du coup, entre 400 et 500K, c'était 33 000. C'est largement passé, d'ailleurs, puisqu'on est bientôt à 36 000. Tu mets objectif 7000 trophées. Ouais. Je pourrais mettre objectif... Ou objectif record de trophées, ouais. Un truc comme ça. Objectif record de trophées avec un deck... Ça peut le faire, ouais. Faut que je trouve une formulation intelligente. Il y aura une rediff. Il y aura la rediff, vous inquiétez pas. Le live était super cool, j'ai trop envie de laisser la rediff. Et surtout au début, c'était... Et je pense que c'est ça qui m'a épuisé. Le début, c'était incroyable. Il y a eu tellement de super chats au début. Plus l'opening. Et ensuite, on part dans des games. Et il y a eu beaucoup de games un peu tendues au début. Donc, je pense la première heure et demie, je me suis séché, en fait. La première heure et demie de live, voire les deux premières heures, je me suis séché. Et du coup, là, j'ai un peu fatigué. Mais c'est bon, mais c'est cool. Je suis content de m'être donné jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, allez, on peut le faire, les gars. Il y en a bien 90 parmi vous qui sont pas abonnés. Bon, pour finir le live en beauté, j'ai rempli ma part du contrat. Il y en a bien 90 parmi vous. C'est possible. C'est sûr, même. C'est sûr. T'inquiète pas que les TikToks, ça va charbonner. C'est ça que j'aime entendre, mec. C'est ça que j'aime entendre. C'est quand le prochain live YouTube? Je sais pas encore quand est le prochain live YouTube. J'ai prévu des trucs pour la semaine prochaine, mais j'ai des vidéos en tête, pas forcément des lives. Je verrai s'il y a des trucs à faire dans le jeu ou quoi. Ce qui est sûr, c'est que je ferai probablement des lives Twitch. Ça, c'est sûr et certain, la semaine prochaine. Je ne sais pas si je ferai des lives YouTube. J'en ai fait quand même beaucoup des lives YouTube là dernièrement. C'est pour ça que je me dis, je suis pas obligé d'en faire un la semaine prochaine. Peut-être le week-end prochain. On verra. 60 personnes, mesdames et messieurs. 60 personnes. Non, reviens, gros. Mais remonte. Mais partez pas. Je vais m'en aller. Alduin, merci beaucoup pour le super chat. Merde, j'arrive à la fin. Tu te souviens de moi? Je me souviens de toi. Je me souviens de ton pseudo. Toujours une question piège. Est-ce que tu te souviens de moi? Parfois, je me souviens pas, les gars. Parfois, j'avoue, je me souviens pas. Je me souviens de certains pseudos, mais pas de tous les pseudos. Mais je me souviens, Alduin. Promis. Je vais me follow à ton Twitch. Vous pouvez aller me follow sur Twitch si vous voulez. Sur Twitch, on fait des... Non, arrêtez de troller. Revenez. Il faut passer les 130, les 435, 436. Arrêtez. Non, sur Twitch, c'est des lives souvent un peu plus tranquilles. Bah, un peu. Il y a beaucoup de discussions comme là, je suis en train de le faire sur la fin de live. Des moments, voilà, où on est posé, tranquille, on discute entre nous. Je fais beaucoup ça sur Twitch. Et puis, on fait un petit peu de jeu, on fait les petits défis. Notamment ce défi, Fête de la Reine des Archers. Ça, typiquement, c'est un petit défi. Il n'y a que 6 victoires. Ça fait un bon live Twitch, par exemple. Ça fait un bon sujet de live Twitch. Venons, on se désabonne tous et dans 2 minutes, on sera beau. Non, faites pas ça parce que moi, je vais m'en aller. Non, mais c'est dommage. Bah, du coup, je vais m'en aller. On n'aura pas passé les 436 000, les gars. Ça serait dommage. C'est quoi ton Twitch? Vous avez tous les liens en description, si vous voulez. Absolument tous les liens. Ça fait 2 lives où j'arrive et c'est fini. Parce que t'arrives tard, Romain. Tiens, les notifs qui viennent d'arriver, un peu en retard, ouais. Les notifs aussi sont un peu crevés. Tu vas acheter le prochain pass royal. Bien sûr. Bah, j'ai tous les skins de tour. Hein. J'ai tous les skins de tour ici. Donc ouais, bien sûr, j'achèterai le prochain. Ah, moi, je suis un client, moi, vous savez. Pas de problème. Le live a commencé quand? Il a commencé il y a 3 heures, en gros. Non, on s'est fait un bon live quand même ce soir. On a bien envoyé, c'était très cool. Il manque plus de 30 personnes, 32 personnes, mesdames et messieurs. On va le faire avant de couper le live. Perfect timing, j'ai plus d'eau. Il est temps de... Oh mais j'ai pas mangé moi ce soir. J'ai oublié de manger. Faut que j'aille manger. Bon, mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus. C'est le moment de vous abonner. Vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour passer les 436 000 en live. Parce que là, je m'en vais. C'est maintenant ou jamais. Là, c'est ciao, en fait. Il te manque des émotes. Il m'en manque quelques-unes, ouais. Quelques émotes. Tu les as niveau combien, les héros? Tiens, je te montre. Si tu veux, je remonte le deck aussi à la fin, comme ça, si vous voulez le prendre. Dernière game. Non, pas de dernière game. T'es fou. Sinon, je veux repasser en positif. C'est horrible. Je viens juste d'arriver, je suis désolé.
C'est la fin du live. Vous avez la rediff qui sera dès maintenant, en fait, dispo sur YouTube. Il y a peut-être un petit traitement, je sais pas, il y a des trucs bizarres sur YouTube, mais voilà. On est bientôt à 9000 pouces bleus aussi, merci beaucoup. Et on va les passer. On va les passer. On va les passer. Ils sont là, mesdames et messieurs. 136 000 pile poil. Merci beaucoup. C'est parfait pour terminer ce live. On a gagné, je sais pas combien d'abonnés dans ce live. C'est vraiment très cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci du soutien qui a été. Vous avez été incroyable sur ce live, vraiment. Vous avez été incroyable. Beaucoup de super chats, beaucoup de monde dans le chat. Beaucoup de discussions, beaucoup de pouces bleus, beaucoup d'abonnés. Donc écoutez, merci beaucoup. Merci de votre soutien. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Il y avait des très belles games, c'était très cool. Le pack opening du début du live était aussi incroyable. Donc écoutez, j'ai passé un très très bon moment. Je fatigue un peu sur cette fin de live parce que je me suis beaucoup beaucoup donné ces derniers jours. Mais ça me fait plaisir. Plaisir d'offrir vraiment. Et soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Je reviens solide la semaine prochaine avec toujours plus de contenu. Suivez-moi sur les différents réseaux aussi. Et on repasse les 136 000, mesdames et messieurs. Si vous voulez, les 436 000, pas du tout les 136 000, les 4, ouais, il me faut du repos. Je reviens la semaine prochaine, en forme évidemment comme d'habitude, pour d'autres lives, d'autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux dans la description. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée, et je quitte très vite avant que ça repasse. Merde. Bah je me tire, il faut y aller au bout d'un moment. Je suis désolé, je coupe ce live. 436 000, je me tire. Salut, bonne soirée et à très